Ça y est, on nous entend. Bon, on est parti. Du coup, on fait les petites transitions qui vont bien. Sur Clash Royale, c'est parti. Alors on part est-ce sur que tu quoi peux me dire qui sont les joueurs? Eh bah écoute, a priori, ce sont Sidix et Noble Chopper. Donc, d'accord. Probablement donc, un joueur d'Overwatch aussi. D'accord. Alors, on a un deck un peu. On a un deck assez aggro à base de squelettes, tandis qu'en face, on a du PK, du gros, bon gros PK qui tape. Fait tellement mal. Il y a de quoi geler pour gérer un petit peu en face. C'est ça. On a le rondin aussi, voilà. Probablement pour du pré-shot. De son côté, en tout cas, Sidix est un peu plus lent pour dévoiler son deck. Il cache un peu son jeu là pour l'instant. Il joue plus doucement, il économise son élixir, je pense. Ouais. Alors, donc on rappelle qu'on est sur la finale de Clash Royale qui se joue en BO3, parce qu'on est rentré dans la game très très vite. Ok, il nous a balancé des barbares ici. C'est ça. Il est en train de booster. Ouais, et on change de flanc d'attaque. Bon, il a essayé de repousser, hein. Malheureusement ça n'a pas. Tandis qu'il y a Ehashi qui est en train de taper la tour. Ouais. Ok, donc on est plus dans. Ah bah, du coup, Noble Chopper, on n'a pas encore dévoilé, il sera la dernière carte. En haut, ça y est, on a le deck en entier, donc c'est ça. On a un chevalier noir, on a. Trois gargouilles, la petite troupe de gargouilles. La barbare d'élite, on a la princesse en légendaire.
On a le rondin et on a le classique levé de squelette qui permet de gérer pas mal de grosses créatures. Ouais, ouais, c'est hyper pratique en général. Ça fait des dégâts monstres si t'arrives pas à gérer en retour. C'est tout à fait ça. Alors là, on a laissé volontairement la tour à 94 points de vie parce qu'on sait qu'on peut la finir sur n'importe quel sort. Oui, oui, autant commencer à attaquer ailleurs. C'est ça, le but c'est de rentabiliser au maximum l'attaque. Les joueurs qui commitent pas trop sur leurs élixirs. Hein. Bon, là on sort une carte à 6, un petit barbare d'élite. Alors. Ils sont plutôt équilibrés hein, dans l'ensemble. Voilà. Il n'y a aucun qui est en retard au niveau des élixirs par rapport à l'autre. C'est ça. Bah, l'avantage de poser des bâtiments comme le petit générateur de squelettes, là, l'espèce de petit cimetière, c'est que ça permet d'avoir à moindre coût de la population qui va tanker des coups, notamment. Oui, ça, voilà. C'est un investissement sur long terme. C'est ça. Et c'est ce qui fait aussi qu'on retrouve un peu cette sensation de deck Zoro finalement. Ouais, c'est ça, c'est des decks assez aggro, hein, on va pas se le cacher. Enfin, tout du moins pour celui de un peu lent à démarrer, mais au final il y a tellement de petites créatures et ça devient tellement compliqué à gérer. Alors là, allez, on repasse à l'offensive sur la tour gauche. Tandis qu'on claque un rondin, ouais. Il reste 56 points de vie à une tour, 94 de l'autre côté. Pour le moment c'est assez équilibré, il reste 16 secondes, 15. Ah la tour 84. Ah, il veut pas lâcher sa tour en bas. Hein. Ouais, non, c'est. Bah, moi 9, j'aurais déjà abandonné 8, hein, depuis, je pense. 7. Ah, le rondin qui va sûrement. Voilà. La finir, ouais. La victoire. Ah, ah et c'est tard. La 56 qui meurt pas. Trop tard, trop tard. Bien joué. On a trop voulu temporiser et. Du coup, ça fait 1-0. Ça fait 1-0 pour Sidix. Oui. Non, attends, c'est Chopper qui vient d'en marquer une puisque ces deux tours sont encore. Ah oui, c'est Chopper, pardon. C'est 1-0 pour Chopper. Oui, c'est ma faute. Très bien. Donc ça, c'est le résultat du combat amical. Donc faut juste attendre. Ouais, qui relance. Le second combat. C'est bon, vous pouvez relancer, les gars ? Voilà. Okay. J'ai failli lancer le combat. Ouais. Allez, on est parti. Alors, tandis qu'on change d'arène. Hein, est-ce qu'à ton avis, ils ont changé les decks ou ils ont... Je sais pas du tout. Ouais. Je pense que ça peut être une bonne solution de changer de deck, d'avoir une variation. Ouais. Surtout quand on a déjà monté... Voilà, bah, typiquement, on a changé de deck. Quoique, il y était peut-être avant le mineur. Non, Nob Chopper, il était en bas, en fait, tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Ils ont inversé le rôle, mais du coup, à mon avis, il joue le même deck, ouais. Le deck... Il a gagné, donc en soi, il est pas obligé de changer. Par contre, token, en bas, on sort le golem. Je pense qu'il a eu raison, hein. Tu perds avec un deck, vaut mieux tenter avec un autre. Alors le golem qui coûte très très cher mais qui a l'avantage de se split en deux petits golems et qui eux-mêmes explosent en fait. Qui a des points de vie monstrueux. Hein. Ouais, c'est vraiment un tank, hein. c'est le but, hein. C'est d'avancer, c'est d'enfoncer les lignes. Toujours ce deck un peu plus token on va dire du côté de Noble Chopper avec des créatures à coût moyen assez faible. Hein. Sa plus grosse créature pour le moment elle est à 5. Sauf s'il a peut-être changé une carte de son deck, ça devrait rester là-dessus. Ah, okay. On joue la tour Tesla. Ouais, la Tesla. Une tour pas très chère, toujours rentable. Ça défend correctement, mais là ça devient compliqué quand même. Beaucoup de dégâts qui sont pris sur la ligne de droite. Ok, on a l'archer. Ok, c'est fort hein, l'archer. Très peu de points de vie, mais. La princesse, ouais, elle fait d'énormes dégâts. Très, très bon support. Ah. On s'acharne sur cette tour droite, hein. On veut être sûr de passer. Mmh. Ouais, surtout qu'ils ont tous les deux entamé la tour du même côté, donc c'est ça. Ça va en général bien s'accumuler. 1337 points de vie à 318. Je pense que typiquement ça va se jouer dans un mouchoir de poche à la victoire sur une tour. Je pense que c'est comme ça que ça va se finir. Oui, il va peut-être y avoir aussi des cycles qui vont se répéter éventuellement, et celui qui est le premier qui fera l'erreur Voilà, là on va. Mais par contre, ouais, avec le mineur, il risque d'avoir largement l'avantage. Ah, 31 points de vie, c'est dommage. Ah. Est-ce qu'il a le rondin de bois hein, pour finir si Oui, c'est veut. Ça. Mais le problème du rondin de bois, c'est que ça ne clean pas les gargoyles. Ouais. Ouais, mais il pourra terminer sur la tour surtout. Ouais, mais là, il est intelligent, il pose un golem pour garder l'aggro, pour empêcher de venir. Et il commence à attaquer de l'autre côté, hein, ça y est, il sait que la tour est prise de toute façon. C'est ça. Il sait que dans tous les cas, il lui reste une trentaine de secondes, il va pouvoir utiliser un spell pour faire le ménage. Bon, non, il faudrait que Sidix essaye de passer la tour, hein. C'est vraiment le seul moyen pour lui de gagner. Ah, il va viser l'égalité, il va essayer de ne pas faire comme tout à l'heure. Ah, bien joué, je pense que là. Détourner le truc, avoir des squelettes en plus qui viennent compléter. Égalité. On va avoir un overtime. On a un overtime. Prolongation. Alors,
Tandis qu'on n'a pas vu toutes les cartes de Noble Chopper encore. Non, non, encore une fois, il s'économise. À ton avis, tu penses que c'est quoi comme carte? Ça peut-être de la gestion. Ah, c'est pas la Tornade qu'il avait joué tout à l'heure? Non, il avait joué le gros PK tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Le chevalier noir. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué là, face à une sorte de zoo. C'est des créatures qui font énormément de dégâts, mais qui sont pas très efficaces contre des petites tokens. Ça, c'est ultra lent en plus. Il joue les gargouilles, il joue les gobelins. Il essaie de noyer l'adversaire, hein, clairement. Ouais, ouais. Bah, que tu veux un grand PK comme ça, c'est un peu compliqué. J'ai peur que le mineur soit pas suffisant. Les deux golems commencent à taper un peu, hein, mais j'ai l'impression que ça va se terminer en égalité. Il nous reste 2 minutes. Il y a le mineur. Ouais. Ah, le mineur qui meurt vite, mais qui effectue bien son travail de sapin. Il grignote en fait. Alors c'est ça, c'est... à côté, là, il a à peine à toucher. On est à 2481. J'ai l'impression que le deck de Sidic c'est un peu trop lent en termes de gameplay pour pouvoir l'emporter face à Noble Chopper. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a aucune créature en dessous de 3. C'est un peu compliqué. C'est ça. Bon, là, on fait une sortie. Il a encore une minute de game. Il a aucune carte en dessous de 3 en fait. Hein, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est. Il a même pas de gestion ou quoi que ce soit. Hein. C'est affolant. Ah, c'est un deck qui est fort dans cette fin de game où on a le gain élixir qui est doublé. Hein. Mmh. Alors. Il commence à taper un peu la tour, toujours à 2000 points de vie face à 700. Et là il est un peu coincé. Ouais, hein, ça paraît compliqué. C'est un peu la polistan là. Là il va pouvoir jouer deux bâtiments à 4, mais ils sont déjà à la moitié du chemin. Aïe aïe aïe, j'ai très très peur de ça. Ouais, bon, il a tanké avec un bâtiment, c'est dur d'être rentable là-dessus. La princesse qui se fait dépop instantanément, le rondin pour Queen. Et il grignote, hein, la tour va tomber. Ah ouais, et là, c'est une minute. C'est le moment le mineur qui a gratté 200. C'était un autre deck. Bien joué. Bravo. Du coup, ça fait 2-0 pour Noble Chopper. C'est ça. Très bien. Très bien, très bien. Donc, avec deux tours hein, cette fois-ci qui sont tombés. C'est ça. Bon, les joueurs qui sont fair play, hein, qui se félicitent. Et du coup, ben... est-ce qu'on fait en BO3 ou BO5, c'est ça? Bah, il y a eu un 2-0. C'est BO3 ou BO5? Ah, bon, bah, félicitations du coup à Noble Chopper qui vient de gagner. Donc c'était assez rapide, hein. Mais... Les manches étaient relativement disputées, hein. Ça jouait bien des deux côtés avec des decks assez complets. Est-ce qu'on peut regarder vite fait En tout cas, bien joué aux joueurs. Ouais, très bien. Attendez. Est-ce que vous avez envie de discuter, donner vos impressions vite fait? Noble Chopper, est-ce que tu m'entends? Sinon tu peux le faire à son récit et puis il aura juste à discuter. Tiens. Allez, viens de s'asseoir. On va passer le temps. Tiens, assieds-toi juste 2 secondes et puis on va discuter. Ok. C'est pour moi, c'est gentil. Alors, Noble Chopper, donc c'est toi? Ouais, c'est moi. Alors, qu'est-ce que Caster, au final? Je te remets le micro ici. Je te le dirai pour le reste. 1, 2, ah, ça y est, on nous entend, il y avait un petit bug son. Alors, j'ai une question pour toi. Tu joues à Clash Royale depuis combien de temps en fait? Alors, j'ai commencé le jeu à sa sortie en fait. Ouais. J'avais commencé déjà avec Clash of Clans et j'avais bien aimé les jeux Supercell. Du coup, j'ai vu qu'ils créaient un autre jeu, donc je me suis dit tiens, ça a l'air pas mal et puis j'ai tenté et puis j'ai accroché quoi. Bon, comme moi aussi, j'ai commencé au début du jeu. Puis, ouais. Bon, j'ai un peu lâché, mais. Ouais. Mais voilà, mais bon, bah du coup, tu gagnes ceci. Donc c'est 15€ sur Google Play. Bon, bah super. Voilà. Et puis, je te souhaite bonne continuation sur le peu de tournois que tu peux encore trouver. Ouais, bah je vais. Je te le souhaite. Si je peux continuer les tournois, bah pourquoi pas. Enfin, voilà. J'aime ça. J'ai eu de la chance aussi de gagner tous les combats que j'ai dû faire. Et puis voilà. Il y avait des joueurs. Il y avait de très bons joueurs. Ouais. Qui étaient. Ils avaient la moitié de mon âge, donc j'étais surpris quand même.
Il y avait un pote à moi qui s'appelle Shadow, qui est dans les tribunes. Il m'a vraiment mis beaucoup de pression sur les combats, sauf que bah, j'ai réussi à m'en sortir et voilà quoi, ça s'est fait tout seul, j'ai gagné tous mes matchs et puis bah, je suis fier de moi. Quoi. D'accord, et ben, tu as raison et puis ben, encore bravo à toi. Merci. Voilà.
1, 2. Ah, ça y est, ça marche. On va faire une petite transition. Alors, nous y voilà. Je suis avec TMNAT pour. Effectivement, mon cher Evie. Pour commenter du Rocket League, du coup. Du Rocket League. Donc, c'est la finale. On va vite passer sur l'écran. Est-ce que les joueurs sont prêts, en fait? C'est surtout ça la question. Oui, c'est celui-là. Hop là. Très bien, on va faire la transition déjà, ce sera fait tranquillement. On a vu nos têtes, on est content. Voilà, donc nous sommes dans les phases finales Rocket League. Oui. Du coup, je peux pas voir le nom des joueurs aussi. Tu peux pas tab si. Ils sont en spectateur. Ils sont encore en spectateur, mais on a déjà les prénoms. Donc on a on a l'équipe Xenon. C'est ça. Donc avec un certain Hugo, je suppose, avec le grand GM, Seragon. FJ, c'est moi. Et merci. Après, on a Arpidre, joueur 2, et Rémilius088. Joueur 2, un excellent pseudo. Ouais, un joueur très connu hein, sur la scène e-sport. Effectivement. C'est le quintuple champion de sa région. C'est quand même pas mal. Bon, très va. Bien. Eh bien, on attend simplement que les joueurs se rangent dans leur équipe. C'est bon, ils vont pouvoir lancer. Ils vont pouvoir lancer. Ah. Ouais. Alors, du coup, ça va être donc on a un semi-pro et on a un joueur légende dans l'équipe orange également. Donc, ça va être les Xenon en orange et l'autre équipe en bleu. Oh, ça vient de lancer. Alors, est-ce que on peut analyser un petit peu le terrain? La balle bouge pas mal pour le moment. Toc, toc, toc. Alors je te conseille de mettre la caméra sur un des joueurs plutôt qu'en caméra libre, ouais, c'est vachement plus dynamique. Voilà. J'essaie de trouver un petit peu. L'idéal étant que tu restes sur le joueur qui a la balle. Voilà, donc pour l'instant ça joue pas mal au sol. Ouais. Puis les placements sont pas trop dégueux. Il y avait déjà Seragon là qui était plutôt bien placé vers la barre. Alors l'avantage du 3v3 effectivement c'est qu'on peut se mettre deux en attaque et un en défense. Oui. Ce qui est vachement plus confortable que le 2v2. Il y a moins de prise de risque du coup. C'est ça. Et un excellent bloc de Seragon qui malheureusement ne concrétise pas derrière. Alors ça joue déjà pas mal en l'air, effectivement, de beaux aériens. Ouais, il y a de la maîtrise, on sent, hein. Ils sont pas en finale pour rien. Alors tu me confirmes que c'est déjà la finale du coup? Oui, c'est la finale, très bien. C'est bien ça. Oui, c'est la finale. Bon, on viendra me dire à l'oreillette en tout cas si c'est pas le cas. Mais pour moi, je pars dans le petit que si. Alors Rémilius qui envoie en arrière, qui fait une passe sans vraiment le vouloir, vu qu'il a compté sur l'adversaire. Mais Ah, ils se sont un peu calmés là. Hein. Ouais, on reste sur deux, on reste sur un petit 2-0. Tu mises 2-0 pour qui, toi? Je sais pas, j'aurais tendance à le donner pour Xenon, ne serait-ce que parce qu'ils ont des joueurs de plus haut niveau dans leur équipe. Parce qu'ils ont un nom de team, c'est ça? Peut-être aussi, effectivement. Ouais. Ça fait tout de suite un peu plus pro, effectivement. Puis qu'ils ont un joueur légende également. Mais non, mais de toute façon, l'équipe bleue a l'air de bien se défendre. Hein. Ouais. Avec le petit chapeau d'Edmaus. Ouais, je sais pas, si c'est le cas pour eux, mais effectivement parfois il y en a deux et ils récupèrent un troisième joueur sur place. Et souvent du coup ça explique pourquoi il y en a un dans une équipe qui a l'air un peu moins fort que les autres. Et puis du coup se fait carry jusqu'en finale des fois. En tout cas les formes de voiture sont récurrentes, hein. Les carénages sont à peu près les mêmes, donc je suppose que c'est vraiment la voiture. La forme sachant que les voitures les plus jouées sont la Dominus et l'Octane. L'Octane c'est la voiture de base en fait que t'as quand tu lances le jeu pour la première fois. Et la Dominus parce que c'est une voiture que tu peux acheter en DLC et qui est extrêmement plate et qui a une excellente manœuvrabilité en l'air en fait. D'accord. Sachant que le jeu aérien, très haut niveau, c'est extrêmement important en fait parce que c'est pratiquement. Oh, bel jeu. Arrêt. Hein, ouais, excellent arrêt. Joueur 2, mais je t'ai dit, il n'est pas là pour rien le joueur 2. On va passer un petit peu de l'autre côté. Alors pour l'instant, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'échauffement pour eux, mais les deux équipes s'amusent avec la balle. On a vraiment l'impression de regarder un match de football avec 0-0 à la fin. Et tout le monde aura dit c'était un beau match.
Ah, dommage, hein, ça rentre pas. Par contre, est-ce que... Ah, c'est dommage pour Rémilus. Serragon a marqué. Rémilus a essayé de revenir sur la balle. Malheureusement, il était sur le mur et il a pas pu faire grand-chose. C'est ça. Effectivement, s'il avait tourné en frein à main, ah non, peut-être c'est joueur 2 qui a, c'est joueur 2 qui a marqué contre son équipe. Voilà, coup. Donc 1-0 pour l'instant pour l'équipe très bien, d'Xenon. Très bien. Hop. Donc c'est celle-là... Non, ça c'est juste pour le style ou elle est plutôt jouée également, la voiture de Retour vers le futur. Je l'ai vu quelques fois, mais je pense que c'est surtout pour le style, ouais. Celle qui est pas mal jouée aussi, c'est la Batmobile, qui est, je crois que c'est qui est celle qui est la plus plate. Le souci étant que parfois, du coup, la balle te passe au-dessus, par rapport à des voitures comme l'Octane, qui sont tout de même un peu plus hautes. D'accord. Et encore une fois, un bel arrêt de Hugo 300. Hugo. Je sais pas comment on lui demande. Arpidre qui devrait faire attention. Pas faire de centre à l'ennemi, ce serait dommage. Okay, il reste une minute là pour essayer ouais, de. Ça risque d'être difficile, surtout que les Xénons ont une très bonne défense. Et ça se rentre dedans. La balle est renvoyée. Dégagement de joueur 2 qui arrange pratiquement l'équipe adverse. En fait. Il a failli marquer dedans. Un double aérien là qui a plutôt servi. Mais après, au niveau du placement, ça porte pas grand chose. Ouais, 30 secondes restantes. Ouais, il joue la balle. Hein. Ouais, ça risque d'être difficile, surtout si les balles restent en l'air comme ça. Ah, un bel aérien tenté par joueur 2. Dommage. Hein. Bon, après, la effectivement, défense. Effectivement, les Xénons sont 3 en défense. Oui, la défense était là hein, déjà. Il y avait, De toute façon, ils savent bien, avec 30 secondes restantes, il n'y a aucune raison à rester en attaque. Hein. Oui. On joue la sécurité. Ok, bon, la balle est jouée. On attend juste qu'elle touche le sol. Voilà, voilà, c'est bon. Très bien. Donc, bah, du 1-0 pour la team Xénon. C'est ça. Bon. Ceci dit, malgré tout, le niveau reste assez proche. Oui, bah, je pense qu'il y a tout à fait moyen de. Je pense que si Xénon n'a pas marqué plus et que l'équipe bleue en face se défend plutôt bien. En tout cas, les joueurs sont fair play, ils se disent bien joués. Je pense qu'effectivement, ils ont bien joué tous les deux. Ouais. Mais non, clairement, ils méritent leur place aussi ouais, loin dans c'est le. Dans la finale est méritée pour les deux équipes. Tout à fait. C'est agréable, en tout cas. Ok, ils viennent de lancer. On attend juste qu'ils engagent la balle. C'est parti. Qui touche la première balle, c'est le grand GM. On va tout de suite enchaîner. Ce serait bien que les bleus marquent cette fois, non ? Ouais, ne serait-ce que pour mettre un peu la pression sur la team. Ouais, et puis voir un petit peu comment ils se débrouillent avec. Et ils sont pas passés loin. Ouais. C'est toujours à ça que ça se joue. Ah, par contre, la riposte était exactement pas la même chose de l'autre côté. Ouais. Un poteau sortant. Ça se joue à un cheveu. Malheureusement, pas si bien dégagé que ça. Ça n'a pas apporté grand-chose. Un petit problème de coordination pour l'équipe bleue qui se gêne un peu. Et une balle assez dangereuse. Oh, et malheureusement. C'est dommage, ouais. C'est vraiment dommage. Un poil plus haut et ça aurait. Ouais, Arpidre qui n'a pas réussi à la dégager à temps. C'est très malheureux parce que ça part vraiment d'un coup de malchance au final. Oui, ça partait d'une bonne intention. Il avait fait un salto arrière pour essayer de dégager dans l'autre sens. Malheureusement. Ouais, c'est le souci aussi avec le moteur physique du jeu des fois, c'est que la balle en fait a tendance, une fois que la balle est prise en tenaille entre deux voitures, elle a tendance à partir extrêmement vite dans une direction. Ouais. Du coup, un rebelote de la situation de la partie précédente. Peut-être une bonne chance là. Une seule personne en défense, mais dommage. Un beau contre de Serragon qui est allé chercher la balle au contact. Je suis pas sûr qu'après l'aérien allait mettre dans les cages. Je suis pas sûr non plus, mais effectivement, c'était une bonne idée d'aller la chercher histoire de prévenir. Ouais. Là, il y a une occasion. Ah, il a tenté la marque. Ouh, une belle double reprise de Rémilius qui a double tap la balle en l'air. Ouais, on voit le replay. Oui, plutôt joli. Hein. Il y a quand même du contrôle. Ça, il a réussi à bien s'orienter juste après le rebond sur le poteau. Parfait. Donc, un partout. Il reste encore 3 minutes 50. Il peut y avoir plein de buts. Effectivement, encore. Comme quoi la team bleue peut le faire et ils ont de quoi égaliser. Ils ont de quoi faire peur à la team Xénon.
Ah ouais, pour le coup la team Xenon qui a tardé à se remettre en défense et qui en paye le prix. Ils ont peut-être voulu la jouer un peu offensive pour se dire que la meilleure défense au final c'est l'attaque et essayer de creuser l'écart et ça mais leur a coûté c'est un bien but. Du coup on va voir la team Xenon un petit peu sous pression comme on le souhaitait un petit peu sans. Ah si ça fait plus de matchs de Rocket League moi ça me va. Hein. Tout en restant un peu impartial. Aller voir un petit peu plus agressif surtout. C'est ça qui fait plaisir dans le jeu. Alors. Ah voir effectivement là ils sont tous les trois en attaque pardon. Mm-hmm. Et Arpidre qui n'a plus de boost mal, malheureusement. Il avait plus de boost, ouais. Ouais. C'est bien dommage. Il était bien parti en tout cas. La gestion du boost est quasiment aussi importante et que le skill. Il continue d'attaquer on empêche. Ah c'est dommage pour Hugo qui était resté collé au sol parce qu'il avait absolument plus aucun boost et il a pas pu aider son équipe. Et du coup, ben ouais, ils étaient tous collés au sol et. Ah, double contact hein, avant de marquer. Ouais, peut-être même une petite erreur de l'un de l'équipe Xenon qui a bloqué la balle, qui a empêché le dégagement. Ah oui, donc là, ça y va, effectivement, hein, deux personnes à l'engagement, c'est parti. Et ils sont quand même assez collés, l'équipe Xenon. Ouais, effectivement, j'ai l'impression qu'ils sont tous. Ils s'écoutent pas trop. Ils ont tous un peu envie d'y aller là. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est l'écart qui fait qu'ils perdent un peu de leur coordination. En tout cas, là, les caches sont libres. Heureusement, il y a quelqu'un qui est là pour la renvoyer. Et il y avait une petite occasion, je pense, là-dessus. Là, ça tourne autour de la balle. Ah ouais, les Xenon qui gardent deux personnes dans les buts là qui se disent vraiment que deux buts c'est jouable en deux minutes, mais trois ça commencerait à être difficile à rattraper. Ah, et bien. En tout et cas, effectivement, c'est Ragon avec son petit drapeau français et son Fedora. On va voir tout de suite. Ah non, je comprends, avec son drapeau français et sa couronne. Voilà. En tout cas, elle était plutôt offerte en celle-là. Ouais, effectivement. De toute façon, effectivement, à ce niveau-là, ça se joue sur ça. C'est des, oui, c'est oui, des occasions des à prendre sur l'équipe adverse qui n'a pas eu le temps de se replacer en défense. Okay. En tout cas, en deux minutes, c'est totalement jouable que la courbe s'inverse. Ouais, surtout sur un jeu comme Rocket League, effectivement, où les buts peuvent filer à la vitesse de l'éclair. Ne serait-ce que sur la malchance. Ou la chance. Ah, c'est dommage pour Serragon qui s'est trop avancé, qui espérait une balle haute et qui finalement n'a pas pu la prendre au niveau du sol. Et puis là il est un petit peu en galère hein, pour essayer de la contrôler cette balle, il n'arrive pas à la toucher, il tourne autour. Ah, c'est un peu la mêlée là, tout le monde se jette sur la balle. Ouais, gros manque même de placement. Ils en oublient de placer des gens derrière et devant pour récupérer les balles et essayer de se trouver des occasions. Ouais. J'ai l'impression que ça fait un peu all-in, hein. Des deux côtés des équipes hein, d'ailleurs. Ah ouais, là ça, c'est plus du rugby que du foot. Hein. Malheureusement, on n'a pas de bras pour... Et donc pas de chocolat. C'est bien triste, ce que tu nous racontes là. Ah, la balle qui a du mal à quitter le côté orange quand même. Oh, et un magnifique aérien de joueur 2 qui place... qui mérite ce but amplement. Oui, mais il était simple. Bah, lui, il a remarqué effectivement. Ah, il est parti le chercher très très tôt là. Oui, bah, il s'était mis en arrière, il avait compris que tout le monde était regroupé au même endroit. Il a dit je vais me mettre un petit peu en retrait, je vais l'attendre la balle et. Effectivement. Et attendre l'occasion. Je pense qu'il avait bien fait, on en parlait. Et du coup, bah, effectivement, l'espoir pour Xenon de gagner cette game, ses espoirs s'amenuisent. 2-0, ouais, c'est un peu compliqué. Un joli centre de joueur 2. Et ça va chercher au contact, effectivement, Xenon qui n'a pas eu le temps de dégager cette balle. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas ce qu'ils ont fait là. Ouais, Ah, ils ont attendu trop longtemps, effectivement. Il fallait la dégager alors qu'elle était encore au-dessus de la transversale. Bah, du coup, t'es content, tu vas avoir ton troisième match. Effectivement, je suis content. Enfin, il faut encore croiser les doigts en 40 secondes. Ah, à moins qu'effectivement toutes leurs manettes se mettent à se déconnecter subitement. Ou qui a un comportement pas très fair play de la part d'un des joueurs. Ça aussi. Alors Pidre qui tente une petite reprise en l'air malheureusement. En tout cas il a utilisé tout son fuel. La petite démo qui n'est sans doute pas voulu. C'est rarement voulu pour ce niveau de.
Il y a certaines démolitions de voitures qui peuvent être tactiques dans le sens où tu peux te placer, tu peux être, enfin te retrouver derrière un adversaire et tu peux lui rentrer dedans ou le détruire pour l'empêcher vraiment de prendre la balle. Ce qui est mal vu en général, c'est de foncer dans un adversaire juste pour le détruire sans aucune raison, quoi. D'accord. Comme quand tu fais un tacle au rugby à une personne qui a pas la balle, c'est en général c'est une faute. Du coup, ça fait 5-2 pour les bleus. Ça fait 5-2 pour les bleus. Et du coup, ça fait 1 partout. Très bien. Donc on va juste se remettre sur prêt. Et on va attendre tranquillement que les joueurs relancent. Plus proche de ta bouche, le micro. Oui. Oui. Attention, après je vais le manger. Je parlais du micro qu'on m'a rapproché. C'est bon ? Et évidemment, tu ne parlais pas de Bolarola. Non. Je ne mangerai pas Bolarola. Même si ça rime avec chocolat. Ouais, mais il n'y a pas de bras, on avait déjà dit. Ouais, il n'y a pas de bras dans ce jeu, donc à partir de là. En tout cas, voilà. la balle avance dangereusement vers la cage des oranges. Alors, la team Xenon a l'air un peu mieux répartie pour le coup. Du coup, t'avais parié au début sur la team orange, mais les bleus là, j'ai tendance à vouloir parier sur les bleus, hein, du coup là. J'ai l'impression qu'ils reprennent du poil de la bête au fur et à mesure là. Ouais. Je sais pas, c'était la première game, c'était peut-être le réchauffement. C'était juste pour jauger un peu l'équipe en face. On leur laisse 2-3 balles, on Vous regarde les doigts un peu engourdis peut-être. Voilà. Peut-être qu'il y avait des joueurs qui ont joué avant eux, qui avaient un peu les mains moites. Belle prévision de Seragon du coup, qui a réussi à corriger sa trajectoire au dernier moment. Pas mal. Pas mal du tout. Ouais, je pense qu'il était en train d'estimer si la balle allait rentrer ou allait rebondir et il a bien corrigé. D'accord. Ah, faut faire attention à ce genre de. Ouais, là il a enlevé la balle à son coéquipier. Ah, c'est dommage. Ah, c'est bien dommage ça, il aurait pu la dégager. Il y a certains dégagements qui parfois il vaut mieux pas les prendre en fait parce que si tu n'y mets pas assez de force au final ça fait juste un replacement de la balle pour les adversaires quoi. Surtout qu'il n'y avait pas énormément de force dans cette balle, il y avait vraiment. Ouais. Et les Xenon qui se bloquent un peu dans les cages. Ce qui fait un partout hein, en soi. Ce qui fait un partout. Moi j'aimerais bien que ça termine par une égalité. Comme ça on aurait une prolongation avec énormément de tension des deux côtés. Ça peut être bien. Finir en beauté. Tout le monde jouera défensif, ça va être horrible. Je sais s'il y en a un qui craque et. Ou une équipe entière qui craque et ils partent tous en attaque. Oula, alors personne ne va chercher la balle chez les Xenon. Ils sont tous remis dans les cages. Mais je pense qu'ils ont conscience hein, que là, faut pas trop prendre de risques. Hein. Ça se voit en face. Des deux côtés hein, d'ailleurs. Oui. Non, je regardais juste le planning BO3 pour la finale. D'accord. Attention à cette balle. Beaucoup d'erreurs des deux côtés. Ouais, la balle roule. Ouais, ça joue un peu brouillon. Hein. Elle est aussi lourde qu'une boule de bowling, hein, cette balle. On pourrait dire ça, limite. Une boule de bowling sur la lune, alors. Hein. Ouais. Ah, expression. Et ça, c'était plutôt et bien de la part. Un peu gratuit parce qu'il y a absolument personne dans les cages. Oui, c'était plutôt mal en fait. Les Xenon ils se sont jetés à deux sur la balle et ils ont complètement raté leur coup. Et du coup, là, elle est tout à fait. En plus, il y a joueur 2 qui bloque le troisième joueur, donc absolument personne en défense au final. Ce qui fait 2-1 du coup, pour l'équipe inconnue. Ah, il faut que les Xenon se ressaisissent et il faut pas qu'ils craquent sous la pression là parce qu'il faut vraiment qu'ils gardent leur. Je crois que le problème est réglé du coup. Le problème est réglé. C'est un peu les buts sales des engagements en général. Mais effectivement, c'est vraiment un jeu qui est extrêmement sensible au placement et il suffit de stresser un tout petit peu et on a tendance à vouloir aller vers la balle pour aider son équipe. Ouais, et puis des fois, tu veux la prendre un petit peu de côté pour essayer de mettre un petit effet ou je sais pas quoi et puis finalement c'est celui qui a rentré tout droit dedans qui va marquer. Bon les deux équipes continuent de se jauger l'une l'autre hein. Oula, elle est dangereuse celle-là. Heureusement que les Xenon n'étaient pas assez bien placés pour la mettre mais il y avait de quoi faire je pense. Effectivement, il y avait personne pour aller la chercher. En fait, il y en avait deux qui ont sauté vers la balle et puis je crois que l'autre était trop loin. Peut-être ça. On va changer de caméra du coup.
Ah, il reste vachement groupé au centre là. Ça fait deux partout. Ah, joueur 2 qui tente. J'espère avoir notre égalité. Belle action. Ou un rebond dangereux. Heureusement, c'est arrêté. Bien capté par Arpidre. Ouais. Une balle trop dure en soi, mais parce qu'elle était assez visible. Mais. Alors, ce qui est bien, effectivement, avec la team bleue, c'est que eux vont chercher les balles au-dessus du but, sur les murs et au-dessus de la barre transversale, ce que Xenon n'a pas tendance à faire. Et du coup, ça dégage la balle en fait de la zone dangereuse. Oh, celle-là, elle est. Et ça ouvre, c'est bien ça ouvre dommage, une grosse possibilité de contre par la suite. Ouais, ça va, ils sont deux sur la balle, ouais, tranquillement. Ouais. Ah, il aurait pu avoir un petit souci hein, aussi. Si ils se rentraient dedans, la balle rentrait. Ouais, mais en général, les contres de la team bleue sont très propres. Je sens qu'il y a une meilleure communication quand même chez eux. En tout cas, ouais, ils hésitent rarement pour un contre parce qu'ils savent qu'ils peuvent les faire. Et... Attention au rebond centre. Elle a l'air un peu sale. Hein, malheureusement, elle n'est pas très centrée. Mais... Elle était pas mal centrée, mais personne n'est allé la chercher. Je sais pas si c'était un manque de boost ou un manque d'envie. Ce genre de balle qui rentre dans les cages, tu vois, en général, ça fait jamais trop plaisir. C'est un peu compliqué pour se placer, tu te fous un peu dans les cages et en même temps faut pas que tu sois trop à l'intérieur sinon la balle rentre. Joueur 2 qui a surfé avec la balle là pendant quelques instants. Okay. Qui peut être une technique intéressante en général si on essaie de dribbler l'adversaire. Arpidre qui corrige très bien sa trajectoire. Attention, une balle qui peut être dangereuse, mais non, effectivement, ils vont la chercher sur le mur. Il faut économiser son essence, il a bien raison. Oui, effectivement, surtout que c'est probablement pas des voitures électriques. Ouais. En plus, ça consomme énormément. Alors, on va partir en prolongation, visiblement, sauf si cette dernière action. Non, très bien. Parfait. On a ce qu'on voulait, finalement. Les prolongations, le 1-1. Est-ce que ça va jouer défensif? Normalement, oui. Alors là, je pense que dans le chat, ouais, ils sont en train de crier pour qu'il y ait au moins une personne qui reste dans les buts. Bien sûr. Parce que sinon, après, bah, c'est une amitié brisée. Et bah c'est voilà, c'est plié rapidement. Très bien, Arpidre vient de la marquer, hein. Félicitations. Arpidre donc qui marque le but de la victoire pour son équipe. Il a fait un dans la lucarne. Ouais, un beau flip vers l'avant qui a empêché le contre. Très c'est bien. Donc une victoire de l'équipe bleue dont on n'a pas le nom là tout de suite. L'équipe bleue, ben, on va les inviter pour qu'ils nous disent qui ils sont. Je pense que c'est une bonne idée effectivement. Voilà, donc peut-être que ce sera toi qui leur posera des questions, je pense que tu es peut-être plus apte pour ça. Pas de souci. Voilà. Alors, est-ce que ça rejoue? Je suis en train de me demander. Non? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont pas là? Ils sont pas levés? Il y a une grande discussion. Mm-hmm. Il y a une main, c'est ça? Oui, faudrait ramener les gens, à moins que ce soit pas fini. Ben là, il y a eu 2-1. Il y a eu 2-1 pour l'équipe bleue. Alors, on envoie notre barbu préféré se renseigner. Ok. Voilà, est-ce qu'on pourrait ramener l'équipe bleue, s'il vous plaît? Et on va tout de suite passer en interview post-match. En tout cas, il y a l'air d'y avoir quelques personnes un peu déçues. Où ça? Parmi les joueurs, mais c'est normal, après tout, personne n'aime perdre. Effectivement. Moi le premier. On dit bonjour à la caméra. Après, c'était des matchs quand même assez serrés, donc ça va, c'est peut-être plus agréable de perdre sur un, ouais, sur un match, sur un 2-1 et une prolongation. Ouais. Puis je pense qu'il y a eu peut-être quelque chose de... L'équipe des Xenon, à mon avis, était plutôt content sur leur premier match. Et ben on va leur demander tout de suite. Alors, bonjour à vous. Et ben du coup, j'accueille sur scène l'équipe gagnante du tournoi Rocket League. Bon, même si vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez quand même les applaudir chaleureusement. Bah déjà, félicitations. Alors du coup, ça fait quoi de gagner la finale? Bah, ça fait plaisir, hein. C'est la deuxième année de suite qu'on gagne. Donc, Vous êtes des résidivistes en plus. C'est ça, voilà, c'est ça. Alors, entraînement particulier, beaucoup, non? Non, on joue un peu en ligne, mais c'est pas...
Et de votre côté, entraînement aussi ou... C'est pareil, on joue tous ensemble et puis voilà. Ok, d'accord. Bon, et bah du coup, comment s'est passé le tournoi de façon générale? Bah à part la finale, c'était pas trop difficile quoi. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Ils sont pas très très modestes, hein. En finale, ils jouaient très bien, mais les matchs d'avant, bon, on voit qu'il y a un manque de niveau quoi. Bon, et bah du coup, écoutez, je vais vous remettre vos lots. Donc du coup, vous avez eh bien 20 euros de cartes Steam chacun. Donc voilà, bravo encore à vous pour votre belle victoire. Est-ce que vous reviendrez l'an prochain? Bah, ça dépend si on a le temps ou pas, mais sinon oui, on reviendra certainement. Et bah, en espérant du coup que vous ayez le temps. Et voilà, on peut encore les applaudir évidemment pour leur belle victoire. Et du coup, eh bien, petite pause de quelques minutes le temps que... Oui. Les deuxièmes. Ah, pardon, on accueille les deuxièmes. Qu'on peut aussi applaudir. Bon, bah, bravo quand même hein, d'être arrivé au moins jusqu'en finale. Du coup, bon, à part la finale, est-ce que le tournoi s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Bon, on a eu des matchs, le deuxième match a été un peu serré, mais ça va. Et un peu d'entraînement avant le tournoi, ou vous êtes venu un peu comme ça? Bah, à la base, on avait prévu de s'entraîner, puis au final, je dois avouer qu'on ne s'est pas trop entraîné. Ouais, hein, c'est... On aurait peut-être mieux fait de mieux s'entraîner quand même. Ah, peut-être, effectivement, vous auriez peut-être été premier, mais bon, deuxième, c'est déjà bien. Voilà, est-ce que vous reviendrez l'an prochain? Certainement, oui. Et ben voilà, et ben écoutez, le rendez-vous est pris. On peut encore les applaudir, du coup, bravo à eux. Donc, du coup, cette fois-ci... pause, ce serait ça? Eh bien, on peut mettre, effectivement, une petite pause donc de 5-10 minutes, le temps que les demi-finales de LoL se finissent. D'accord. Et comme ça, on pourra enchaîner avec la finale du tournoi League of Legends, qui sera d'ailleurs la dernière finale de cette journée. Et voilà, donc, à partir de bientôt, exactement. Voilà, donc on revient dans 5-10 minutes. Très bien.
There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Yeah.
We'll be right back.
Alors, on est déjà en train de parler, incroyable. Hop, alors, le launcher qui devrait bientôt être totalement rempli avec tous les joueurs qui vont arriver, eh bien ça y est, je crois qu'ils sont tous dans la game. Alors, côté équipe, nous avons du côté gauche, je vais te laisser le dire Zilpadon, tu le diras sans nul doute mieux que moi. Alors du côté gauche, nous avons l'équipe Bye Bye Las Frutas. Ah, mais comme c'est bien dit, dis donc, c'est magnifiquement prononcé. Et du coup, du côté droit, nous avons l'équipe YL, qui ouais. Se dit donc YL. Et tout simplement. Et j'aurais demandé la signification de leur le nom d'équipe. Ils m'ont dit YOLO, YOLOOSE. Ouais, d'accord. Voulez, en gros, ils se font plaise, quoi. C'est ça. Ils se font plaise. Allez, on est parti dans cette phase de pick et ban pour la première game. Et c'est un Thresh qui est quasi instant ban. Ah, on ne réfléchit pas. Adieu Thresh. Et c'est focus. Un Blitz qui est ban en réponse. Pas de support de grab en sup. Je suis déception. Pareil. Ah, je suis triste. Ah, Lissine, on ne verra pas le classique nouveau... Lissine, hein. On ne verra pas son nouveau skin, malheureusement. Ça arrive. Ouais, malheureusement. Mais bon, j'ai toujours l'espoir qu'il y a Alistar qui passe. C'est vrai, et Alistar me meut. Alistar me meut, ouais. Ah, bah, tellement. Avec Kog'Maw Pug, du coup. Ah, ça. Bah, à ce moment-là, en fait, Alistar, ça ne servait à rien. Ça serait bien d'intéressant d'avoir. Ouais, non, mais pour avoir le combo des skins. Je m'en fous que ça ne sert à rien, je veux des skins jolis. Allez, ça banne Kha'Zix et ça banne Caitlyn. Yes. Et Lulu en dernière réponse. Voilà, vois, je crois qu'ils nous entendent en fait un petit peu là, parce que là. Alors, je sais que l'un des joueurs m'a dit qu'il voulait jouer Blitzcrank ou Lulu. Ouais. Pick et ban ciblé. Je pense que ça a été entendu. Enfin, ban ciblé du coup. Et on est donc parti dans la phase de pick, évidemment. Oh, et c'est une veine. Est-ce que c'est validé en pick? Ça serait fort. Ça serait très très intéressant. Hein. Est-ce que c'est validé cette veine? Ah là, s'il prend veine, ça veut dire qu'il veut vraiment assurer le late game. Hein. Effectivement. Alors, en dessous de 3 items, Vayne, c'est un peu compliqué hein, à voir sa phase. Ah bah il a lock. Eh bien c'est lock, écoute. Et bah voilà. Annie Gragas. Annie Gragas. Ah Annie, ça me ferait plaisir. J'aime bien Annie, j'aime bien ce mid. Annie Sup ou Annie Sup? Ouais, Annie. Annie Sup, ouais, ça offre pas mal de contrôle. Hein. Annie Sup, c'est pas mal, effectivement, avec T-Burst à partir du niveau 6 sur un stun bien placé. Ça peut faire d'énormes dégâts. Yes. Timbers. Alors, va-t-il le valider? J'ai travaillé mon imitation d'Annie, hein, comme tu as pu le remarquer. Go on, Timbers. Have you seen my Timbers, dear? Voilà, incroyable. Je suis voilà, je suis anglophone et bizarre. C'est un Olaf en réponse aussi. Ah, bah, Malza. En réponse à Annie. Hein. Malza. Oh. Ou Harry. Harry, ouais, c'est pas mal aussi. Harry, ça peut être contrôle versus contrôle. Il mise beaucoup sur le late game. Hein. C'est là, Vayne, bah, en dessous de 3 items, c'est très très difficile. Hein, surtout que bon, ok, elle a un dash, d'accord, mais au niveau de l'escape, c'est pas encore ça. Effectivement. Après, pour items, elle va burst. Hein. On ne sait pas encore quel sera son support. Peut-être que. Voilà. D'ailleurs, tu conseillerais quoi comme support avec une Vayne? Avec Vayne, il faudrait un truc tanky en fait, c'est type. Léona, Broom. Léona, c'est plus trop sorti, mais Broom, ouais. Broom, ouais. Franchement, ça pourrait être pas mal parce que justement, il pourrait encaisser le stun de Annie. Voilà, il pourrait rester, aussi également bloquer un petit E-in de la part de Gragas. Ça donc, du coup, ça serait intéressant. Et cet Harry est donc validé. En face, on reprend une Camille. C'est déjà la Camille qu'on avait vue lors de la première game, puisque il me semble que c'était déjà Jordan La Menace qui nous l'avait présenté, évidemment, puisque c'était déjà l'équipe Wire. Alors, j'ai entrevu une Soraka. Ah, il visite un peu là. Alors, il nous prend toutes les lignes en fait. Le final decision Soraka. Bah, je crois que c'est plus trop sorti, malheureusement. Ah, Kog'Maw. Tiens, tu vois, on en parlait du Kog'Maw. C'est donc une Kalista. Pique un peu hors méta quand même Kalista ou ça revient? Non, ça revient, mais en général tu as aussi quelqu'un qui peut vraiment larguer un stun vite fait, genre type Annie. En gros, elle prend soit pour la protéger avec son ulti, soit pour l'ulti de Kalista sur Annie, hein, soit pour la protéger, soit pour la balancer carrément dans la foule avec derrière son stun T-Burst. Et là, ça fait plaisir. Brom Malphite, on part sur du tank. Ah, là, par contre, là, ils ont un gros bruiser en jungle, un gros tank top qui est Malphite, et pour protéger Vayne, rien de mieux qu'un Brom, hein, c'est idéal. Alors une Karma mid et Annie support. Karma support et Annie mid. Une époque Karma se jouait mid, mais cette époque Nutty. Tu me disais bien, je me disais qu'elle va prendre. Donc Nutty sup et Annie mid au final. C'est donc exactement comme ça que ça va se faire. Et dans le chat on nous réclame Alistar, et bien malheureusement non.
Ah, l'Histoire Meumeux, c'est pas encore ça. Hein, non, l'Histoire Meumeux, ce sera un prochain tournoi, on l'espère. Je suis un peu bénévole. Peut-être dans le deuxième match. Hein. C'est vrai. C'est pas dit. Dans le deuxième match, un petit Alistair Meumeux. Hein, c'est vrai. Avec son cloche comme ça. Ding, 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 ding. Effectivement, ça pourrait être sympa. On sait que tu le désires. Je l'adore. Évidemment. Alors. Bah écoute, hein, comme pour cette première game, on va faire un peu lane par lane sur les phases de laning selon toi. On va commencer avec la top lane. Ouais. Nous avons une Camille, comme à la première game, mais cette fois-ci, c'est un Malphite qui va lui imposer une résistance. Malphite, lui, il va stacker évidemment de l'armure, hein, parce qu'il y a une Kalista, Camille. Le reste, c'est essentiellement de la paix. Et on me dit que c'est top tier Kalista. Top tier Kalista Le chat me dit top tier Kalista, je lui fais confiance. Ils ont parfaitement raison. Bah, une fois qu'il a balancé Nautilus dans. Nautilus il va être en top lane normalement. Camille. Oui, non. Camille. Ouais, top, en fait, c'est parce que d'habitude, c'est Camille versus surtout Malphite, en top lane en fait. Enfin, les deux, c'est vraiment des. Camille et Nautilus, c'est vraiment des deux picks qui sont assez joués en top lane. Mm-hmm. Du coup, c'est vrai qu'après, si on aurait vu un Malphite face à Nautilus, bon, la top lane, zéro gank, hein, ils vont se dire, on va essayer dans leur coin tranquille, se taper dessus avec leur encre et ses cailloux. Voilà, donc là ça aurait pas été intéressant, mais par contre Kalista Nautilus, Nautilus il peut rentrer dedans, ça peut être très très intéressant. Après peut-être que c'est une sorte de Nautilus mythe, tu vois, un peu bizarre, Ouais, ça tournerait beaucoup. Je sens que cette botlane t'inspire, donc Kalista Nautilus, voilà. Normalement si tout va bien, face donc à Broom Vayne. Alors justement on en parlait avec Vayne, Broom c'est plutôt bon, tu l'as dit. Ouais, exactement. Selon toi sur cette phase de laning, donc comme Vayne est plutôt late game. Ouais, exactement. Ton avis, la phase de laning en faveur de Kalista? Largement, elle peut lancer des sbires qui peuvent traverser les sbires justement et atteindre évidemment Vayne qui a exactement beaucoup moins de portée, hein, et de toute façon au bout d'un moment Kalista elle va pouvoir, une fois qu'elle aura ses vitesses d'attaque, pouvoir lancer une auto, ensuite pouvoir décaler à sa volonté. Du coup elle sera assez dure à viser, mais Vayne c'est que de l'auto, donc il ne devrait pas y avoir de soucis à ce moment là hein. Mais l'early c'est beaucoup plus pour Kalista que pour Vayne, hein. Un gros travail qui va être demandé à Broom, protéger sa Vayne et être vraiment le mur entre cette Kalista et cette Vayne. Il ne devrait pas y avoir de soucis normalement, il pourra encaisser les dégâts facilement avec justement son bouclier quand il le déploie. Voilà, mais hormis ça, après ça va être comme toujours, hein, le gang du Gragas qu'on avait vu ce matin qui a été très très performant, effectivement. Il était partout, et Gragas qui est donc de retour évidemment. Voilà, exactement. Du coup lui il pourra au niveau 6 lancer son coup de tonneau, peut-être bumper Vayne, hein, parce que à savoir aussi que son dash, en fait quand tu touches Vayne, en fait son dash par exemple, à moins qu'il l'ait complété, en fait, sa position, il reste de base, au même endroit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait. C'est assez spécial, en fait. En gros, tu vois le dash. Si l'animation n'est pas terminée, le dash n'est pas pris en compte. Alors qu'en fait, normalement, il est en déplacement, tu vois. Mais par contre, cette box, elle restera toujours au même endroit. D'accord, donc, imagine, ça, c'est intéressant. Effectivement, même si elle est au même endroit. D'accord, ok, ça, c'est une info plutôt intéressante. À Vayne, donc, de faire attention, et à Broom également. Il nous reste un peu le match-up mid dont on n'a pas encore trop parlé. Ariani. Harry, c'est. Annie, elle a son stun, hein. Voilà, tous les trois spells. Annie, on la connaît, spells, beaucoup de joueurs ont commencé avec elle. Pas besoin du T-Burst, hein, clairement. Effectivement. Elle va nous faire un flash-in, stun, T-Burst ou même le Z, hein, pour essayer d'avoir un truc de zone. Un Q-spell pour insister sur un champion, ça peut donner Harry, des choses intéressantes. Elle va jouer sur mobilité, je pense qu'elle va tenter de décaler. Honnêtement, je pense qu'elle va décaler en bot lane, c'est là où il y aura le plus de facilité, entre guillemets, à se faire un kill, hein, ou peut-être même. Voilà, pour le dragon, ça peut être très intéressant comme pour le Nashor. Hein. En top lane, top lane, Camille, y aurait moyen, hein, à part si elle dash justement contre le mur pour essayer de s'escape, ou même essayer de craquer un flash. Hein. Mais effectivement. Ça, c'est le rôle du jungler, c'est pas le rôle d'Harry. Mais je pense que elle va tenter la décale, hein, clairement. Et en plus, c'est très intéressant aussi parce que Harry, apparemment, elle va jouer avec la fatigue. Et bah. Voilà, du coup, pour essayer de réduire ce petit burst de la part d'Annie. Effectivement, je te confirme que Harry a une fatigue. Voilà. Alors, ça devrait apparaître très rapidement. Du coup, il va jouer très très défensif. Hop. Donc, nous avons cette game qui va donc apparaître très prochainement sous vos yeux ébahis. Et des skins. Ouais, peut-être. On espère. Hein. Ah, Brolaf. Ouais. J'aime bien. Brolaf. En termes de niveau, c'est plutôt. Il y a deux platines pour l'équipe justement des bye bye Las Flotas. Ça c'est à toi de le dire. Moi je dis YL, il n'y a pas de soucis, c'est à toi, tu dis l'autre équipe, hein. C'est le deal, hein, qu'on s'est fixé. Tu choisis Timulo, toi, c'est plus facile, hein, c'est 4 lettres, c'est bon, ça passe tranquille. Écoute, regarde, nous sommes dans cette partie, ça y est. Allez, ça commence. Ah, par contre il a pas le méca Malphite, t'es un peu déçu, hein. Il a le truc de marbre, je crois, il est tout blanc, il a un peu albinos, tu vois, ce petit Malphite. C'est vrai, c'est vrai. Alors peut-être mettre en régie le son du jeu un peu plus fort. S'il vous plaît, régisseur.
si je pense que ce sera un petit peu mieux. Merci d'avance. Alors, du coup, on reste groupir. Du côté de l'équipe rouge, on reste un peu groupir, mais on se sépare rouge, quand même un peu. Ils vont prendre leur position. Hein. Camille va en top lane, il n'y aura pas d'invade. Côté bleu, par contre, ils restent ici en mode défensif en pensant qu'ils vont invade. Alors, moi, je vois quand même que du côté de l'équipe rouge, on cite Koro Bizarre en écrivant le meilleur item, c'est le ZZ Rot. J'ai la chef. Ouais, je ne chanterai pas la parodie de The Coconut Song version Koro Bizarre. Ah oui, attends, c'est quoi, c'est... Ne me force pas, ne me regarde pas comme ça, je vais le faire. Ah putain, je me souviens même plus la chanson, ouais, de Koro Bizarre, ouais, pour le 1er avril. Le meilleur item, c'est le ZZ Drop. Bon, voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là avant de perdre toute crédibilité. Voilà, donc aucune invade, hein, ça manque un petit peu de... Un petit peu de balls de chaque côté, mais bon, en même temps, là en fait, je dirais que pour le niveau 1, ça aurait été évidemment du côté de l'équipe rouge. Ça met vraiment toutes les paroles. Ça met vraiment toutes les paroles de la chanson. Ah de voilà. Achète de droite quand ma game est loose. Et comme par magie, elle sera plus loose. Bon, on est vraiment une enchant, hein. Oui, franchement, là c'est horrible. Ah ben, je n'ai pas fait mes échauffements vocaux, voilà, je ne peux pas. Bon, évidemment, on meuble un peu comme on peut, hein. Les débuts de game, c'est toujours un peu lent, malheureusement. Surtout que bon, le raid se fait désirer. C'est ça. Malphite qui se fait et un peu tout. 26 par partie. Je viens seulement de caler, mais Extech Annie, skin et quand même assez rare. Ah et bah oui, hein. Skin de Nautique que je n'avais jamais vu, qui est très très joli. Ouais. Et Brolaf, hein, le petit Brolaf. Hein, bon, le Brolaf, hein. On connaît, il est classique. Ouais. Hein, voilà. Le petit Brolaf hein, qui va justement essentiellement chercher la backlane. Hein, donc notamment Kaista, bah, une fois que leur son ulti, c'est je cours dedans. Et adviendra ce qui viendra. Hein. Effectivement. D'ailleurs, bah oui, bah classique, hein. Smite Ghost. Donc lui, clairement, il va courir tout droit, hein. Un vrai hooligan, hein. Il va rentrer dedans, il va s'étioper. YOLO. Du coup, en bot lane, bah là, des avantages par rapport à Vayne, hein, tu vois, bon, voilà. Des petits dégâts déjà mis par Kalista, c'est voilà. Ça, hein. C'est très rigolo cette barre, enfin cette lance qui te reste dans le corps, ouais, pendant c'est un ça, million ouais. D'années. Et plus elle stack, bah plus elle va faire mal une fois ouais, qu'elle bah, va ça, hein. ça, c'est. Voilà, pour l'instant, ça peut être... bah, ils vont laisser avancer normal. Hein. C'est Vayne, comme j'avais dit, en fait, en dessous de 3 items, bah, ça pue un peu la mort. Quoi. C'est, Vayne, c'est sympa, mais 3 items. Là où Kalista va pouvoir être très effective très rapidement. Et une fois qu'elle aura son runan, elle va être vraiment, vraiment très, très mobile. Hein. Itri, effective. Alors, donc, ouais, ils sont un peu sous pression, sous tourelle. Hein. Voilà, c'est qu'il faut savoir farmer aussi. Hein. Voilà. Camille qui met déjà un petit peu de pression également. Ça. Là pour l'instant, bon bah. Une terreur psychologique hein, parce qu'il n'arrive plus trop à farmer là tout à coup. Là, il est... Alors si on regarde un peu hein, les stuffs de départ, on est sur du stuff assez classique. Ouais, je vais classique, mettre ouais. Les. Ah oui, mais les rôles à chaque gens. Rôle. Hein. On rend ses arcades à César. Vayne, Malphite Camille, et voilà. On est sur un truc à peu près. Juste largué. Voilà. Et Glaskel. Voilà, un de chaque côté. Hein. Biscuit côté Harry, pousse pote normal hein, côté Annie. Hein. Voilà, pas mis ça en point de talent. Hein. Oui, on reste voilà. On reste sur du tanking du côté des deux tanks. Ah, par avec contre, épée longue du côté de Kaista. Hein. Alors qu'en face, on a une lame de Doran. Mais plus de potions, du coup. C'est ça, voilà. Bon. Ouais, exactement. Eh bien, exactement. Écoute. Et moins de vol de vie. Effectivement. Voilà, après, c'est bon, un choix. Bon, après, est-ce qu'il est très efficient avec juste cet item C'est ça. Ah, bah la là, question y a, est tout entière. Il y a un petit temps en botlane, hein, Nautilus. Effectivement, très belle voilà, danse avec ce skin. Ah ouais, voilà, quand même. Attends, le taunt est total, évidemment. La pression est réelle. Bon, bah, bon. Camille Malphite au top, bon. C'est chiant. Voilà, Camille au niveau d'avance, hein, normal. Hein. Oula, par contre, agression en botlane. Le Nautilus, il attaque. Il est vénère. Oulala, oula, Brome qui est bon dans le tournoi. Attention, on lance, attention, on lance. Il s'est éloigné, je crois qu'il est hors de portée du E. Ah de bah Kalista, là, mais le ouais ouais Lista a pris là il serait mort à cet instant ça aurait, fait aurait été effectivement dévastateur la tourelle donc qu'il faut remercier ah oui ouais, non, merci ma tourelle de m'avoir protégé tu as fait ton taf ah bah ça c'est clair que là oui il a vraiment vraiment fait son taf hein. Mais encore ça va hein, sans pression hein, pas de heal claqué par Vayne donc c'est tranquille hein, on est quand même serein on a petite différence je note déjà une première différence de farm entre Malphite et Camille, Camille hein, presque le double du code enfin le double même ah bah il l'avait annoncé hein. De Camille. 26 par game, hein. Bon, il est déjà plus de la moitié, donc c'est bien. Hein. C'est pas mal, c'est voilà. Pas mal. Hein. Voilà, mais objectif son... quasi rempli. Hein. Il va build armure. Par contre, je sais plus trop si Camille fait des dégâts brut ou pas. Alors, ça, c'est ça sera très très intéressant. Je t'avoue que je ne connais pas suffisamment le personnage pour répondre à ta question. Peut-être que le chat le saura. On nous dit que voilà l'équipe bleue. Oula, le gang du Olaf. Oh, attention, c'est parti sur cette Kalista qui a subi quelques dégâts. Encore deux autos. Attention, encore une auto. Un ça ne suffira pas les dégâts de la lance qui ne suffiront pas. Ça
ne donnera rien. Belle tentative, cela dit. Beau gant que ça a tenté. Et oui, du coup, le chat me disait les bleus ont le hard late. C'est effectivement ce qu'on avait dit. Avec cette veine qui sera, à mon avis, assez. Qui sera colossale. Mais bon, après, le late, c'est bien d'avoir le hard late. Mais si. Si tu ne l'atteins pas, ça ne sert à rien. Bah, c'est ça, en fait. Hein. Si tu as perdu. Si tu ouvrais là en dessous de 20 minutes, ouais, c'est un pari à prendre. Franchement, c'est un très très gros pari. Hein. Alors qu'il aurait pu avoir des picks beaucoup plus safe. Hein. Bon, Kathleen a été banni, mais par exemple, un petit Ezreal, ouais, ça aurait été un peu plus safe. Ça aurait été aussi light, mais il aurait eu plus d'escape que Vayne. Effectivement. Effectivement, bon, pour l'instant, voilà, ça sera un peu coup pour coup. On back du côté de la bot lane. On va essayer de sécuriser sa vie. Camille, qui pour l'instant est plutôt tranquille, mais attention à ses barres de mana, elles se vident assez rapidement quand même. On a bientôt le niveau 6 du côté de ce Malphite. Je pense que c'est à peu près pareil du côté de Camille, hein, puisqu'en termes d'XP, elle doit être en légère avance. Quoique, non, elle est en retard. Alors qu'elle est en retard. Écoute, légèrement en retard, quoi. Mais bon, pas de grand chose. Les deux niveaux 6 sont pris. Est-ce que ça va donner beaucoup d'agression? Je ne sais pas. Seulement la présence du jungler, je pense. Hein, vraiment. Attention, parce qu'on ping le Olaf. Le Olaf s'est fait ping. Il a été repéré par cette ward de rouge. Ils mettent des wards assez deep assez de côté. Deep, effectivement. Mais la vision de jeu, on le sait, la vision de jeu, c'est assez important. Ah bah, c'est essentiel. Hein. Sans vision de jeu, t'as pas la victoire. Et effectivement, c'est bien généralement comme ça que ça se passe. Donc là, on est un peu plus vindicatif au niveau de la bot lane. Hein. Bon, côté bleu, on back. Côté rouge, bon, on continue encore un petit peu formé. Après ça, on va certainement back. On a le stun du côté d'Annie. Est-ce qu'on va vraiment le tenter? On a le T-Burst. On peut tenter le flash. Oui, Gragas, mais par contre, il a été repéré. Hein. Voilà, oh là, Gragas. Ouh. Attention, Gragas Olaf. Harry. Oh, est-ce que ça va nous donner quelque chose, Harry, qui semble vouloir Non, c'est annulé. C'est annulé, quoi. Par contre, ouh, le bisou qui gagne. Bisou raté, c'est dommage. Oui. Quelques dégâts qui sont plaqués. Le T-Burst qui a été légèrement loupé. Le méca T-Burst, c'est dommage. Oui, effectivement, c'est raté. Et elle va le payer de sa vie. C'est un first bleu. Oh, T-Burst qui s'énerve, qui va frapper sur Olaf. Peut-il s'en sortir? Sans pression, niveau 5, je cours dans ma forêt. Et c'est terminé. First blood pris sans trop de soucis pour l'instant. Bon. Ouais, okay. Pour l'instant, petite agression sympathique. Voilà, mais bon, ça va faire pour l'instant au niveau des gold. C'est surtout l'équipe des rouges qui sont en avance de très très peu. Hein. Effectivement. Malgré les bleus qui ont pris un kill. Malgré ce first blood, mais voilà, regarde la différence de farm, toujours deux fois plus de creep. Hein. Ouais, ça va certainement se jouer là-dessus. En top lane, en tout cas, après avoir la décale. Hein. Déjà, la Camille, elle a fait une brillance. Mm-hmm. Donc, du coup, déjà, ça lui donne un peu plus de burst après son spell. Malphite, comme prévu, là, il est en train de partir sur de l'armure, hein, sur de l'armure et de la santé. Hein, donc, il fait une capsule. Ouh, le grab qui est pris par ce Nautilus. Attention, quelques dégâts que pourrait appliquer cette Kalista très rapidement. Ça met des lances, ça met des lances, ça met beaucoup de lances. Pour Warson, Nautilus a pris. Et ça ne donnera rien. Midlife, quand même, du côté des deux ADC. Ça met bien l'impression, hein. Sabre Vissier des deux côtés. C'est vrai. Est-ce que la Kalista, peut-être. A pas un peu tendance à trop attendre avant d'activer son E? Ça fait déjà 2-3 fois qu'elle pourrait prendre. Bah, peut-être qu'elle essaie de stacker les spires. Oui, mais que ça lui joue des tours, elle attend trop avant. Ouais. Elle stack trop et au final n'a pas le temps de les déclencher. Bah, à ce moment-là, bon, bah, c'est la micro. Hein. Après, voilà. Bon, ah, oh, par contre, la veine. Oula, un moment d'inactivité là. Elle a très exposé. Oui, elle a pas bougé. Ça, ça lui a fait le défaut, voilà, qui a mis quelques petits. Attention, c'est l'ulti qui est mis. L'ulti Nautilus sur Vayne. Ça tempo, ça ne donnera pas suffisamment la hache, le grab qui est raté. Mmh. Dommage, dommage qu'il ait chargé finalement ce broom. Mmh. C'est parce que si ça tombait sur Vayne, elle était à peu près sûre d'être morte. Du coup, peut-être pareil, l'ulti de Nautilus, finalement le mettre sur broom pour plus le tempo, puisque la Vayne était peut-être abandonnée. Mais là, encore une fois, c'est de la micro. Peut-être et on a ce Olaf. On a ce Olaf qui va venir. Moi je pense qu'elle l'a mis soit pour s'échapper soit pour tempo. Voilà, elle s'échappe tranquillement. Le Gragas qui va servir de rempart, mais on veut continuer cette agression. Olaf qui peut l'avoir. Olaf qui peut l'avoir avec les HP placés, il peut l'en tirer. C'est fait à la déchiqueteuse. Fait tellement de dégâts. Et non, non, pas de kill sur Camille. Le Oda fait tellement de dégâts, quoi. C'est le grab qui ne passera pas. Attention, il faut essayer de faire avancer. Cette veine qui peut tomber. Attention, Harry sauve qui a sauvé. Et ce Nautilus qui fait fatigue. Il flash out, mais on continue l'agression. Le flash in de cette veine qui continue. Une auto-attaque, deux autos, trois autos. Attention, c'est le stun qui va passer. Et c'est le kill qui est pris. Belle opération pour cette veine qui récupère son premier kill. Et le Olaf qui est en 2-0, la Harry en 1-0. Belles actions, 4-0 pour le moment du côté
ton équipe. Oui. De Babel Las Flutas. Merci. Et un K-Gold, du coup, pour. Babel Las Flutas. J'ai bien dit. Tu sais, comme je te l'avais dit, tu vois, t'as Harry qui a décalé vraiment au bon moment. Effectivement. Sinon, c'est Ben qui prenait vraiment très cher. Bon, voilà, le Malphite, malheureusement. Et le flash out, mais c'est un flash in. Et ah, une petite ward, histoire de magnifique ward en tout cas. Bon, un kill récupéré, mais au final, tu vois, cette équipe bleue, on dit oui, vous avez le late game, ça va être difficile leur lit. Au final, devant pour l'instant, ouais. Comme quoi, ouais, comme quoi, ouais, bah, faut se méfier, ouais, c'est ça, ouais. Bah, en tout cas, belle opération d'Harry hein, sur la botlane parce que la veine était vraiment en très très grosse difficulté, et du coup, ils ont réussi à faire un double kill sur la botlane. Hein. Ça, clairement, bah, c'est prévu, hein. C'est pour ça qu'elle est là, c'est à ça qu'elle servira tout le temps, quoi, effectivement. Bon, Camille hein, qui a quand même une plutôt bonne avance cette fois-ci hein, sur son Malphite, au moins une différence de presque 50 creep. C'est ça, ouais, ouais, il est vraiment très très gros 40 actuellement, hein. Mais ouais, une fois qu'elle aura sa trilite, ça va devenir un jouet pour elle. Hein. Elle va le martyriser, le caillou il va se péter en deux. Ah oui, et puis bah, du coup, ce kill d'avance, donc là elle est presque à 3-0 hein, par rapport à lui. Ouais. La différence qui se fait ressentir, hein, il ne peut quasi pas la 1v1 sans tourelle en tout cas. Bon. Bah, clairement, on a l'avantage au Bible, la Solutas. Parce qu'ils ont tous un kill. Bon, à part Malphite, mais il a quand même une petite assist. Bon, très peu de farm. Mais si et on laisse. Olaf peut beaucoup aider la top lane. Il est en 2-0. Lui, par contre, peut vraiment rivaliser avec cette Camille. Et en tout cas, il va chercher à rivaliser avec cette Annie. La déchiqueteuse qui va passer. On met quelques dégâts. Le smite qui va passer. Mais T-Burst qui est arrivé. Les énormes dégâts mis par T-Burst. Attention, le bisou qui va peut-être tuer cette Annie. Une auto-attaque, encore une auto. C'est le flash in. Mais elle va le regretter, le payer de sa vie. T-Burst peut-il finir les kills? Je ne pense pas. Non, je crois pas non plus. Un pour un. Ouh. Attention, on utilise l'ulti de la part de Kalista pour Locke. Ce Broom qui prend quelques dégâts tout de même malgré ce shield. Attention, E de Kalista qui pourrait le finir très rapidement. Il faut le mettre maintenant, le E de Kalista, il faut le mettre maintenant. Et voilà. Et c'est récupéré. Attention à cette tourelle qui pourrait finir, mais ce sera safe. Une belle opération de la part de la botlane en 2v1 est quand même difficile hein. Ah, très très bah oui, bah très très difficile, on a quand hein. même utilisé pas mal de spells, un E très tardif, très très tardif, mais qui a fait le café mais bah, on s'est pris l'ulti du Broom, ça a énormément ouais. tempo, la tourelle a fait quelques dégâts, un hit de plus de tourelle et c'était la fin, c'est ça. Bah, en réponse justement il a mis son ulti justement pour fun, le temps qu'elle reçoit sous tourelle et qu'elle prenne vraiment des dégâts, exactement quoi, bah. Bah, c'est une très belle opération du Broom évidemment. Qui aurait presque pu fonctionner. Il manquait vraiment un hit de tourelle. Ah ouais, elle a eu le temps de rejoindre le bush juste à temps. Camille qui continue son agression, elle, sur ce Malphite. Il se martyriser, lui, c'est normal. Hein. Tant qu'il n'est pas assez tanky, pour l'instant, bon, il peut vraiment le cœur qui faire. Ne passera pas pour cet Harry. Du coup, côté kill, eh bien, 2-1-2 pour cet Harry. 1-2 pour cette Annie. Ils sont quand même derrière en gold. Hein. C'est. Bon, ouais, pas grand chose, mais c'est vrai qu'ils sont derrière. À 200 gold près. Bon, après, ça veut strictement rien dire. Hein. Effectivement. Mais on quitte tout doucement cette phase d'early. On se rapproche tout doucement du mid-game. Et du coup, est-ce que la tendance va continuer pour les bleus? Vu qu'ils ont une composition qui a tendance à aller vers le late, très très late, on aurait tendance donc à dire que la game, plus elle dure, plus c'est favorable pour eux. À voir si effectivement l'avenir nous le prouvera. C'est ça. Ou nous induira en erreur. En tout cas, Vayne qui retourne sur cette bot lane. Ah dommage, le Q-spell raté du côté du Broom. Ça va continuer, on met le shield, mais on a déjà quelques lances implantées dans le corps. Ah, Harry, c'est du 3v3. Olaf qui se rapproche, premier kill récupéré sur ce Nautilus qui n'a rien pu faire. Attention à ce Olaf, on flash out, mais on prend d'énormes dégâts sur cette Kalista. C'est un deuxième kill récupéré, on continue sur tourelle. Ah, ulti, Ragnarok, on a peur de rien évidemment, mais ce sera arrêté ici. La tourelle a quand même fait un peu peur, et peut-être que l'on va chercher à récupérer du coup cette T1, la première de la game, le First Blood d'étoile, qui assurerait cet écart au gold, qui est du coup de nouveau en faveur de l'équipe. C'est ça. Voilà, pendant qu'un ballon vient d'exploser, pas de panique, nous ne sommes pas, ce n'est pas un attentat, rassurez-vous. Et Camille qui continue son agression, attention à cette tourelle tout de même, ça reste un Malphite. C'est des coups de tourelle gratos ça. Hein. C'est des coups de tourelle gratos, Malphite ça peut quand même tempo. Et c'est un premier Drake qui va donc être engagé par cette équipe bleue qui va être, à mon avis, récupérée sans trop de soucis. Annie n'a même pas cherché à décaler. Attention, le shield qui peut peut-être la sauver, mais pas suffisamment, un partout. Du coup, plutôt en faveur de Malphite. Oui. Au final. Oui. Il va pouvoir. Attention, le T-Burst. Attention, cette Annie qui va prendre d'énormes dégâts. Le retour de la sphère. Mais c'est Olaf qui va quand même le récupérer. Olaf en 4-0. C'est clairement la bête noire de cette game. Ah bah, clairement. Hein. Clairement, lui, il met son R, il court. Il met son Ghost. Je cours. Il va pas réfléchir. Et on lui en demande pas tant.
Bon, par contre, hein, cette Camille en 2-1, mais avec 121 creep en 15 minutes. Face à 69. Face à 69, c'est compliqué là. Là, le point faible de l'équipe bleue, c'est vraiment. Oh, l'engage de Nautilus par l'ulti de Kalista. On met d'énormes dégâts sur cette veine. Il faut continuer. Ah, le Q-spell qui a raté. La veine qui va chercher à fuir. L'ulti du Olaf qui va lui, du Gragas qui va lui permettre de fuir. C'est ça. Merci Gragas. Eh oui, merci. Là, merci Gragas. Son utilité est un peu moindre par rapport à la game qu'on avait pu caster plus tôt dans la journée. C'est ça. Moins efficient. Beaucoup moins. Bah, là, bon, il y a une petite erreur d'ultimate. Hein, ça a permis à Vayne de fuir, alors qu'il était vraiment très très mal positionné. Sans son flash, il y restait. Hein. Ça, c'était indéniable. Et pour l'instant, ça va. La Vayne, elle fait son petit stuff. Hein, elle a fini ses bots, elle a fini sa BO TRK. Et regarde comment l'écart gold a grimpé d'un coup. 2K ouais. Faveur de. De Bye Bye, la Soutas. Merci. La préférée. La préférée. C'est. Alors, on récupère le blue tranquillement, ça se fait plutôt bien. Bon, du coup, Malphite, j'ai l'impression qu'il est un peu abandonné, mais il fait quand même sa game un peu dans son coin. Il est complètement out, en fait, là. Ouais, là, comme on peut le voir, c'est vraiment très, très martyrisé. Il a pris quelques dégâts, mais bon. Il est à poil, quoi. Hein. C'est clairement... Voilà, malgré tout, tu vois, ça pourrait être pire. Cette Camille pourrait être en 5-0. Disons que. Ouais, faut pas laisser Snowball. Hein. Bon, on n'en est pas non plus sur une Raven ou sur une Fiora ou rien même. Une Camille. Mais ouais, ça reste une bonne Camille avec une Trinité hein, face à un Malphite qui a juste une capsule pour se défendre et un petit peu d'armure. Bon, voilà. Par contre, attention, d'énormes dégâts qui sont mis sur cette veine. Ça va être récupéré malheureusement par Nautilus et pas par Kalista. Attention, les énormes dégâts sur cette Ari. C'est pour l'instant des kills en faveur et c'est récupéré par cette Annie. Ouh, 3 kills en faveur, est-ce qu'elle va tomber? Attention, elle esquive, elle dodge, mais la tourelle ne fait pas très peur. Non, là, clairement, à ce niveau-là. Olaf, il s'en fout. Hein. Olaf est en 5-0, il s'est pris quelques tours gratuits, mais voilà, il a attrapé le pompon, quelques tours supplémentaires. Exactement, bravo monsieur, voilà. Vous avez gagné. Et on va chercher cette tourelle. Cette tourelle bot, hein, ils peuvent se le permettre. Hein. Bah, il faut, en réponse à la tourelle prise tout à l'heure. C'est ça. Les cargoles qui s'est un peu réduit cette fois-ci, on n'est plus qu'à même 500k. C'est 500 pièces. Donc un demi-k, voilà, c'est revenu à 1k. À 800, ouais. C'est revenu à 1k avec 800, la tourelle. 1k, ouais. Donc, bon, voilà, ça varie un peu. L'écart est loin d'être fixé. On va s'attaquer au héros de la faille. Effectivement, remis du coup plutôt à ce Olaf. Ce serait plus logiquement c'est Olaf. Bah après, pour justement tenter de rattraper son retard, pourquoi pas Malphite? Effectivement, Malphite, ça pourrait se tenter. La tourelle est ouverte. Malphite, il servira essentiellement en teamfight. Hein. Il pourra pas se push. Bonjour Gragas, je te mets des Q-spells. Voilà, c'est coucou, je te dérange dans ton bush. Et voilà. C'est donc Olaf qui va bien la récupérer. Effectivement, ça me semblait effectivement le plus logique. Et en plus, à 17 minutes, donc c'est plutôt une bonne opération. Le Nashor ne va pas être tenté tout de suite. Non. Donc, plutôt un bon timing. Hein, voilà. Bah disons que côté des YL, ça sera peut-être plus de speed push parce qu'en termes de team fight, c'est pas ça. Une fois que Malphite va rejoindre le fight, là il va faire son ulti, il va pick up tout le monde, ça va être une vraie horreur. Plus derrière, ils ont l'ulti de Brom qui peut également les knock up aussi. En termes de défense, en team fight, pour l'instant, l'équipe des rouges est pas à l'aise du tout. Hein. Il y a beaucoup trop de contrôle en face. Effectivement. Du coup, la Camille, je pense qu'elle va rester en top lane histoire de prendre cette première T1. Voilà, c'est clairement un style de blue. Allez, on récupère le blue. Bon, voilà. En tout cas, pour l'instant, bah, bye bye la Soutas. La Soutas. Qui était. D'accord. Il y a des gens qui mettent des publications. Un petit fight qui se prépare ici. Attention à cette Al qui va tomber, récupéré par Annie. On continue de taper cette veine qui a pris quelques lances. Attention, on continue l'enchaînement. Camille qui va lock ce broom. Le E de Kalista, le flash in. On continue avec la spear et ce sera récupéré pour le moment. Ce Olaf également dans la tourmente. Peut-être la première mort de ce Olaf s'est récupéré. Peut-être le team kill total si ce Malphite tombe et ça semble bien parti. C'est un ace, si je ne dis pas de bêtises. Un massacre. Un ace. C'est très amusant. Le mid-game arrive et eh bien c'est en faveur du coup de YL qui va récupérer cette T1. On ouvre enfin la jungle ennemie. La team YOLO. Il faudrait récupérer peut-être la tourelle top pour rattraper son retard. Mmh, mais visiblement, ils vont forcer la T2 mid. Ils ont le temps, Harry arrive. Hein. Largement, ils Harry arrive, Broom arrive, mais ce sera, à mon avis, bien trop tard. Ils pourront rien faire à deux, hein. Ils vont défendre la T3. Ils ont même pas eu le temps d'arriver. Voilà. Camille elle veut juste venir dire coucou. Camille est un peu hargneuse comme ça, tu vois, un peu provocation. Coucou, je suis juste devant vous, je suis en avance largement sur Malphite. Hein, bon, en termes de farm, en termes de kill, je peux me permettre ce genre de choses. Alors bon, après, on me dit la Camille, ça va être un problème, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'après, dans la première game,
elle a été utile, mais en toute faille, elle n'était pas non plus très, très efficiente. Ce n'est pas la première game, j'en conviens. À voir, effectivement, si elle aura plus d'utilité. Peut-être qu'elle aura aussi plus de personnages, cette fois-ci, à Locke, avec son ulti. C'est ça. Et bah, de toute façon, pour la deuxième game, le ban va être instant. Hein. Ils vont ban instant Camille. Il y a une possibilité, effectivement. Et on va récupérer, évidemment, cette T1. Est-ce qu'on va avoir le temps? Si, on la veut. Ouais, on la veut. Si, ouais. on la veut, ça va être largement rattrapé. Beaucoup trop derrière, il a pas assez d'armure, il a pas assez de dégâts. Ça va être mis pour l'instant. On continue, on va dépêcher un peu les lanes. On se regroupe du côté du dragon, on va le protéger. Oui. Il est initié par les bleus, j'ai l'impression. C'est ça. Et on dit stop, en plus c'est un dragon des montagnes. Donc pour les tourelles, plutôt utile. Ça va se jouer en 4v4 parce que Malphite n'a pas son TP. Donc du coup, soit il va à pied, soit il va sur sa lane. Et Camille est en train de bug. Alors il y a combien en score pour l'instant? C'était un BO3 et c'est la première game. Donc il y a évidemment 0-0. Et l'avantage des YL. Pour l'instant, effectivement. Alors attention, est-ce que ce teamfight s'est récupéré? La Annie qui n'a rien pu faire. Attention, d'énormes dégâts qui sont mis sur cette Kalista, mais qui fait également très très mal. Attention, les dégâts par ce Olaf qui sont énormes. Gragas. Ah, ça n'a pas suffi. Attention, Nautilus qui flash out. On continue l'engage flashing de cette Vayne et qui le finira à sa troisième auto-attaque. Le triplé. La Camille peut-elle faire le café? Eh bien non, c'est Locke par ce Malphite qui a bien tempo. Quadra kill. Voilà, de la part de Vayne. Hein, effectivement, alors j'avais demandé un pentakill, flashing pentakill. Je ne suis pas trop déçu, le flashing quadra me va très très bien aussi. Clairement. Et on va également rattraper, eh bien du coup, ce retard sur cette T2. Pour l'instant, c'est un peu j'ai l'impression une game un peu en ping-pong. Un coup c'est les bleus, un coup c'est les rouges. Ça dépend beaucoup de comment le teamfight est engagé. Bah là, honnêtement, ils auraient eu encore Olaf. Moi, j'aurais dit go Nashor direct. Hein. C'est, effectivement. Là, avec le Olaf, soit t'as dit direct, hein, ils avaient assez de vie, ils auraient eu très clairement plus engagé. Ils ont tué tout le monde. Hein. Ça taunt avec un Openta dans le chat. les bons taunts entre les joueurs. Par contre, ce dragon, eh bien, il va être récupéré. Attention, il faut se faire rapidement. L'équipe rouge n'est quand même pas très loin. Faut qu'Olaf il arrive là. Hein. Allez, il va revenir, c'est bon, ça a récupéré. Attention, cependant, est-ce qu'on va engager le combat? Non, le bisou qui est mis sur l'ADC. Attention, l'ADC qui peut tomber quand même rapidement. C'est pris. L'ADC qui va tomber. Attention, un deuxième kill sur cette Annie qui n'a rien pu faire. Malphite qui désengage. Harry qui est encore en plutôt bonne santé. Nautilus qui va également tomber. C'est un kill récupéré. Est-ce que ça va être un ace de nouveau? Attention, ce Olaf qui vient récupérer son kill, ça ne suffira peut-être pas. La Camille qui a récupéré, mais la Camille qui va peut-être se faire récupérer aussi. C'est Olaf qui va. La déchiqueteuse qui continue. Allez, on a mis Ragnarok pour venir. Attention, la troisième auto-attaque, le bisou, et c'est fini. Voilà, trop de contrôle. Ils ont vraiment joué sur le contrôle. Très très bien récupéré par Bye Bye Lasutas. Bye Bye Lasutas. Absolument. Effectivement. Absolument. Est-ce que ça va vraiment donner grand-chose? Bah disons qu'ils ont chopé un drake d'air, donc pour les rotations c'est parfait. Un drake de terre, bah pour les objectifs c'est parfait aussi. Hein. Effectivement, on ne peut enchaîner donc, sur rien puisque le dragon a été pris. On est un peu loin du Nashor, on est un peu loin d'autres objectifs, les creeps sont pas là pour la tourelle. C'est ça, bah ça push lentement pour ça fait des gold. Top. Hein, ça fait des gold, l'écart gold qui est encore nul, hein, encore une fois, 300 pièces. Bah, ça va jouer au cooldown de respawn et ça va se jouer au teamfight. Hein. Là clairement le Malphite va vraiment prendre toute sa valeur, bah, le bisou d'Harry. Les stuns par sac de la part de Braum, Olaf qui lui va rentrer dedans, ils sont obligés de le focus un peu quand même, hein, parce que bon, le mec il va arriver, ok Kalista je les coupe en deux quoi. Bien qu'elle ait un Ruinade pour justement avoir plus de vitesse d'attaque et donc de vitesse de déplacement. C'est quoi cette couleur là? Écoute, nous sommes dans la soirée, le soleil est tombé sur la scène et donc nous sommes en état crépusculaire, donc rempli de rouge. Salut, tu viens souvent aussi toi? Concentre-toi donc sur la game, parce que regarde bien, fight qui est initié, l'ulti de Kalista pour sauver le Nautilus, l'ulti de Braum en réponse, le doublé de cet Harry, le triplé de cet Harry qui continue son massacre, évidemment, très très bien initié, on va récupérer la tourelle, et sûrement l'inhibiteur. Bien sûr, absolument. Est-ce qu'on peut pas partir sur un petit Nashor? Ouais, le Olaf est quand même très beau. En fait, à ce moment-là, aurait tué la spawn, ça sert à rien, autant essayer de forcer une tourelle, ils ont essayé de pire pour Ousmane pour un push. En plus, Olaf sur la botlane quand on push la. Est-ce qu'on a le temps de faire cette tourelle d'inhib de Nexus? Je ne pense pas, quoique elle est tentée quand même. Je pense pas, par le Braum, et elle descend quand même. Regardez, elle est déjà mid-life.
elle regarde les bons dégâts qui lui sont appliqués et elle va tomber. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille ça sert à rien tenter la plus, seconde. Hein. Là, T3, la T3, regarde la Olaf. Bot, y a moyen. C'est Olaf qui est là avec une vague de creep. Effectivement, la T3 qui va être tentée. Mais attention, Camille est pas loin. Elle lock l'ADC qui va vite tomber. Mais Camille également. Ça se rend beaucoup. Pour l'instant, c'est à l'avantage de l'équipe rouge. L'équipe YL, le bisou sur ce Gragas qui ne peut du coup pas rien faire. Le coup de bidon pour se rapprocher. C'est stun. Attention, cependant. Ils vont la chercher, ils vont la voir. L'ulti qui est utilisé. Une entre derrière, ça passe. Et c'est raté, dommage. L'ulti pour s'en sortir. Mais quand même, 4 kills récupérés. Ah bah c'est ça. Pour les YL. Ouh, par contre, la Rig. Ouais, la Rig qui n'a pas fini. Dommage ça. La Rig qui va s'échapper avec la paume de pain. La Rig qui se fait un peu martyriser par le Nashor. Et c'est tué par le Nashor, malheureusement. Il aurait dû taper le fruit. Et le Nashor qui est donc tenté par les grips, par l'équipe YL. C'est ça. Il manque le Gragas. Il manque Camille. Est-ce que Camille aura le temps de revenir? Oui. Est-ce que Gragas aura le temps de revenir? Non. Non, mais ils auront largement le temps de le faire. Ils vont mettre au moins 15 secondes depuis la base pour arriver jusqu'au Nashor. Effectivement, elle est 16 TP du côté de Camille. Non, ils vont l'avoir. Effectivement, ça va être récupéré tranquillement. À moins que Olaf fasse fantôme plus ulti en mode je cours YOLO, bon, ça passera jamais. On a tenté du côté de la kit, ça n'a pas suffi. Est-ce qu'il va quand même pouvoir récupérer un kill? Non, il va tomber. Brome qui vient trop tard, malheureusement. Voilà. Le Q-spell qui ne touchera personne. Attention, on a quelques spears dans le corps. Ça tente, mais c'est un premier kill récupéré sur cette Annie. Le Brome qui va également tomber. Du Arthur. Ah non mais là, ils ont eu, enfin là d'un coup là, les bonhommes en mode coucou on est deux. On a retiré le powerplay, enfin le buff baron sur Annie, est-ce que l'opération était vraiment utile, perdre 3 personnes là-dessus? Je ne suis pas convaincu. Pour push ça ira, pour push, ils vont certainement chercher cette tour à l'autop, la T2, donc normalement ça devrait le faire. Bon. Là on a combien de temps de respawn Drake? Donc là on a un Drake qui va recouper dans 1:30. Effectivement, donc là, à mon avis, jouer là-dessus, prochain, oui effectivement. Voilà, Harry, peut-être que si il faisait le petit carapateur, ça pourrait peut-être aider, mais bon, c'est trop tôt, il aura disparu avant. Donc là, Harry split au bot, Vayne push au top. Donc là, pour l'instant, ça va se rééquilibrer peu à peu, quoi. Là, ils sont à combien? Ils sont à 3 à défendre le mid, parce que bon, les méga sbires, mine de rien, ils sont tanky, ils font quand même mal. On a même pas, un cas d'écart, on a quasi aucun écart au gold. Ah non, là, en termes de kill, de kill de différence, c'est tellement ridicule. C'est là, normalement, Camille, elle découpe Vayne. Attention, bon, bah là, adieu, avec adieu, le heal, à quoi que, même l'ulti n'aura pas suffi. En plus de ça, il est nuit de titanesque pour être tranquille, un peu d'armure, un peu de RM. Là, on est tranquille. Non, attention, Harry, il y a beaucoup de creep boosté. Il faut se méfier. Là, le Malphite, là, il commence à avoir un petit power spike avec son grand légivrant. Effectivement. Là, il pourra faire des petits get zone pour push. Bon, anti-fight, ça sert à pas grand chose, techniquement, à part peut-être les ralentir. Mais de toute façon, ils vont surtout miser sur son ulti pour l'engage. Effectivement. Alors, on vise un peu, on focus la mid lane du côté rouge. C'est sûrement la bonne lane parce qu'il y a des super sbires en face. C'est ça. Donc, faire attention. C'est ça, ils peuvent pas ignorer. Est-ce qu'on peut récupérer la top lane de cette Camille? Encore, mais quelques dégâts sur ce Brome. C'est ça. On continue les énormes dégâts qui sont mis de cette Camille. Attention, Brome qui tire life. Mais attention, Malfitari et ils arrivent. Dommage. Le flash out, est-ce que ça va suffire à s'en sortir? Le bisou, c'est tempo, on met d'énormes dégâts. Mais attention, ça reste une Camille, elle fuit. Le flash-in de ce Brome, l'ulti qui est raté, malheureusement. On ne va pas pouvoir la lock, elle ralentit tout le monde, elle s'enfuit. Et il y a cette Annie qui a son stun. Et c'est un stun qui passe, un premier kill récupéré par cette Annie. Camille qui y retourne et qui va mettre quelques dégâts sur ce Malphite avec l'aide de T-Burst. Est-ce que ça va suffire à récupérer des kills? Le Q-spell qui est mis, Camille qui va s'enfuir, Annie qui va tomber parce que Vayne est derrière. Bon, un pour un. Ouais, plus un Drake. Attention à la zone de heal. Oh, le grab de ce Naughty qui est récupéré. Mais on va flash out instantanément. Le bisou qui va punir ce Nautilus. Ils ont une équipe tellement équilibrée au niveau des Bye Bye Las Frutas, quoi. C'est vraiment en termes de DPS AD, DPS pur AP, plus le contrôle. Et là, je ne peux vraiment pas me prononcer sur qui va gagner. Je pense les Bye Bye Las Frutas, parce qu'ils arrivent quand même à se maintenir. Bon, là, début, ouais, effectivement, et puis là, ils sont dans la base ennemie, effectivement. Ouais. Mais peut-être que sur un mauvais move, sur un teamfight mal engagé, ça peut revenir. Ça pourrait complètement être game breaker à ce moment-là. Écoute. Bon, là, pour des pushs, Kaïsa a son runan, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, niveau vol de vie, soif 200 plus BOTRK, là, ça part bien, là, franchement. Effectivement, alors on nous dit, effectivement, qu'en teamfight, les rouges ont beaucoup trop de CC, mais. Non, dans le chat on dit les rouges avec Kalista, avec Annie, avec Nutty. Mais non, ils ont pas testé en fait, ils ont un peu. Ils ont quoi? Ils ont Annie, ils ont Gragas vite fait, il y a son petit bidon avec son ulti.
Calista, l'ulti Calista, oui c'est vrai, l'ulti Calista. L'ulti Calista aussi, ouais, c'est vrai que j'ai oublié l'ulti Calista, ouais. Effectivement, ah, Gragas quand même avec son coup de bidon. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, si tous les persos ont quand même un peu de CC, donc faire attention. Ah, bon. Là en tout cas du côté de l'équipe rouge ça part sur beaucoup de GA. Et ça se regroupe, là, ça se regroupe, je pense peut-être le teamfight décisif de la game. Ah, bon, en plus, ça va peut-être être maintenant, on se regroupe du côté des deux équipes. Nautilus se fait voir, c'est un grab qui est passé sur cette veine. Attention, l'ulti de la Calista pour sauver son support, mais Olaf est derrière et commence à mettre quelques dégâts. C'est Olaf qui va sûrement tomber des coups de Calista. Attention, Annie qui prend un kill et ça continue, déjà 3 kills récupérés. Ah bah là, c'est pingé là. Un Malphite qui reste. Le Malphite qui reste, sinon c'est quasiment un ace. C'est-à-dire qu'en fait il reste plus rien là. Ce Malphite, bon, hormis faire un. Effectivement, alors tu vois, je te l'avais dit, regarde, je te l'avais dit. Ouais, sur un teamfight désastreux, les rouges peuvent effectivement revenir et il va appliquer les dégâts. Est-ce qu'on a le temps de mettre hein. On a 20 secondes. Petite rédemption histoire de heal de groupe. Effectivement, voilà. 20 secondes là pour exécuter tout ça. Voilà. Est-ce que ça peut passer pour Inib. Tiber, s'il faudrait. En termes de cooldown, oui, ça pourrait passer. Il reste vraiment que Malphite. Allez, attention. Il reste 10 secondes, 5 secondes avant que cette veine arrive. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer au moins les deux tourelles? Allez, il faut récupérer au moins sa première tourelle. Voilà, il faut récupérer la deuxième tourelle très rapidement. Là, normalement, c'est la veine qui utilise l'ulti, mais qui prend d'énormes dégâts. Encore une fois, quelques kills récupérés. Attention à ce Malphite qui est totalement contrôle. Et c'est le Nexus qui va tomber. C'est une victoire des YL. C'est une victoire des YL. Bravo à eux. On peut les applaudir, effectivement. Belle victoire. Bah moi j'aurais misé plus sur les Babel Asphontas là. Et bah tu vois, je t'avais dit que comme quoi c'était loin d'être fait. Après Vayne c'est problématique, hein, c'est mono cible. Avant 3 items c'est super dur en termes de. Elle se prend un contrôle, bah elle est morte, hein, littéralement. Ouais, c'est un carré, tous les ultis, effectivement, et bah là ça s'est vu. Hein. Montre un peu les détails avancés pour voir en termes de team fight. Effectivement, alors du coup on va attendre de se faire inviter dans la game par les joueurs. Ouh. Des bons dégâts. Et bah Camille, Camille finalement, je reviens sur mon jugement, Camille, vraiment aussi, oui. Énormément de dégâts. Donc et on va attendre. Vayne et Harry quoi. Et Olaf a fait d'énormes dégâts. Il a fait le café. Comme quoi, Malphite a quand même sa petite utilité. Hein, Cap solaire, Gantiligrand qui compose une brillance. Hein, je crois qu'il fait un spell, bah, forcément, sa première auto-attaque, bah, elle va faire très très mal. Hein, plus, effectivement. Effet ralentissant. Ouais, mine de rien, la cap solaire. Bah, et donc, c'est un BO3 et première game en faveur des YL. Mais ce que je retiens de cette game, c'est que ce BO3 est loin d'être à sens unique. Ah. Et ça fait plaisir. Alors, en attendant du coup que tous les joueurs se retrouvent dans la game et surtout que nous, on se fasse inviter également, je te propose un petit waiting screen de, je pense, moins de 5 minutes, histoire de boire un petit coup, à mon avis. Ouais, faut boire. Allez, un petit waiting screen, une petite pause, on revient juste après.
Ok, oula, on est de retour. Alors attention, je switch la scène tout de suite. Voilà, de retour du coup. Salut. Du coup, je te laisserai lire le chat, ami Zilpadon. Yes. De retour du coup dans cette deuxième et possiblement dernière game de la finale du tournoi League of Legends avec cette phase de pick et ban, évidemment la Camille qui s'est fait ban. Ça a été ciblé, hein, ça s'est et puis le blitz également, cette Vayne également, bon voilà. Ah Vayne, ouais, en ban Vayne. Ah Vayne a fait d'énormes dégâts quand même. Elle a fait d'énormes dégâts, mais le problème c'est que c'est des mono cibles. Hein. Effectivement, Lulu le retour. Lulu, hein. Bon, bah, pas de Pugmo ni Lulu. Hein. Voilà, on cible les, voilà, on cible les pics, hein, c'est de ce que je vois. Et alors du coup, cette fois-ci, donc les teams ont changé de sens, il me semble. Hein, elles ont, c'est ça, non, elles ont inversé, voilà, de side. Une Harry, c'est vrai que la Harry a également été le charme, plutôt efficace. Ah, le charme et les décales au début pour l'équipe justement des Bye Bye Las Frotas, ils ont joué un kill alors que la Vayne était vraiment en danger, la Vayne a pu vraiment rattraper directement, enfin a pu avoir Mish sauvé par Harry, juste par son et décal. Et cette Kalista qui a aussi. Également. Ce qui est très intéressant avec la game précédente, c'est que du coup j'ai l'impression que tous les personnages, les 10 personnages ont vraiment eu leur utilité, c'est et ça. Du coup là tous les bans des personnages de la game précédente ont un sens parce que tous les personnages ont eu à un moment ou un autre leur utilité. Leur impact. Et donc là c'est vrai que je trouve que tous les pick et bans ont un sens et c'est plutôt intéressant du coup de voir ça. C'est ça. Mais c'est on va et on va du coup peut-être choisir alors du coup pour ce mot le retour du Gragas. Eh bien bah, c'est un Lee Sin. C'est vrai, un Lee Sin open. Peut-être ça avec le skin gold. Hein. Le skin de God skin. Ouais, le skin de Iron Fist. Exactement. Exactement. Tu crois que ça a été sorti en rapport avec la série Netflix? Je pense, ouais. Bah, écoute, clairement, les références chez Riot Games, chez Leto Games. Mais non, jamais. Oh, Twitch, oh oui! Oh là là, oh bah c'est bon. La allez, lane, bon, bah, je pense que vous avez deviné pour quel côté mon cœur balancé. La réponse instantanée. La réponse instantanée. Instantan, c'est bon, on n'a pas réfléchi. Hein. Instantan, Karma. C'était qui qu'on avait vu avec Caitlyn en première game? Karma. C'était Karma. Oui, si, c'était Karma. Ah, et on avait dit que ça avait plutôt bien synergisé, c'était effectivement. Très très bien même. Donc voyons voir. En termes de POC, il y a le retour de notre anime. Alors cette fois joué par l'autre équipe, qui jouait donc Harry. Exactement. Voilà, parce qu'ils ont changé de side. Donc voilà. Oh, Alistar Meumeu, on y croit? Bah non, s'il y a cette Karma. Bah non, le bait n'est pas vrai. Par contre, ce brand, full tanky, ça passe quoi. Ce brand qui est évidemment sélectionné. Alors, j'avais pas vu, mais Olaf qui a été sélectionné en face. Et Mundo, Hivern, Mundo, il manque qui en vrai? Il manque le top laner, évidemment. Je pense pas que ça va partir sur Fizz, honnêtement. Honnêtement, Moi je veux du Teemo. Faut attendre, faut un hard engage là, hein. Faut quelqu'un qui puisse rentrer dedans. Tiens, je vais vérifier si les joueurs m'entendent. Teemo. Non, c'est Warwick. Warwick. Top. On choisit le contrôle. Warwick top. Puisqu'il y a un Lee Sin, il va forcément jungle le Lee Sin. Il va pas aller top le Lee Sin. Ne me fais pas des frayeurs comme ça, Lee Sin, il va top. Si, Lee Sin peut aller top. Oui, Lee Sin, il peut aller top. C'est pas terrible, terrible. C'est même misérable, c'est de la merde. Hein. Bon, après, il suffit d'une Roras, des gazos, bon, ça va être seul, mais. YL, non, mais je vous rappelle que vous avez une game de retard. Intéressant, quoi. Après son rework. La merde, c'est YL qui a remporté la game précédente. C'est les rouges qui auront gagné, donc oui, c'est YL. C'est YL, oui. Oh, mon cerveau. Après une journée de cast, mon cerveau, il ne suit plus, évidemment. Bah, au pire, t'es mode daltonien, hein, donc. C'est vrai. Voilà, donc c'est un Malphite qui nous a offert soit top lane par Bye Bye Las Frotas. Effectivement. Voilà, donc beaucoup de tankiness hein, de côté de Bye Bye Las Frotas. Bon, allez, tu connais ma tradition maintenant. Je vais te demander du coup, selon toi. Alors, on va commencer par la top lane représentée du côté rouge par Malphite et du côté bleu, alors Warwick, puisqu'il a un TP. Donc je pense que c'est Warwick. Ouais, je pense aussi, ouais. Warwick top. Le nouveau ça Warwick, va. Est-ce que tu connais le nouveau Warwick déjà? Est-ce que tu as eu l'occasion j'ai de... J'ai vu la vidéo, j'ai pas pu le tester, enfin j'ai vu les vidéos de spell, j'ai vu également des streams. Hein, tu n'as pas eu l'occasion de le tester top LFR et tout, mais Warwick top, je vois pas ce qu'il peut offrir en fait, c'est ça qui est assez bizarre quoi. Du coup, en faveur... Ça va vachement bien, parce qu'il va très très vite et tout, il n'y a pas de souci. Mais en top lane... Alors peut-être un top laner qui va être assez absent de sa top lane. Peut-être qu'il va faire un rôle de second jungler, peut-être avec un TP assez agressif. C'est vrai qu'à un moment, on le sait, on voyait pas mal de top laners justement qui accompagnaient le jungler, mais. C'était une autre époque. Ouais, ça date d'il y a un peu quand même. Hein. Mais Warwick top, ouais, pourquoi pas. Je sais pas du tout. Hein. Face à un Malphite. Écoute, je peux pas te dire. C'est pas trop. Je ne sais pas trop. Alors, du coup, sur la mid lane, c'est donc Annie.
comme tout à l'heure, on la connaît bien maintenant, face à un Brand. Alors, Annie face à Brand. Ouais, Flash Annie, Flash Brand. Bof, après Brand, bah, pour teamfight, bah, son R va forcément rebondir, donc ça sera toujours intéressant. Bon, il a utilisé son combo pour stud. Bon, voilà, Annie, elle va stack ses charges. T'as pas l'air, t'as pas l'air très convaincu. Evan, mais par contre, tu remarques qu'en fait, Annie a une purge, lui, il a le bouclier, toi. Donc, du coup, j'irais plutôt favorable à Annie parce qu'elle a la purge. Ok, voilà, okay. Donc favorable pour Annie. Favorable Annie. Top lane, on l'a déjà fait, pardon. Bot lane, donc Karma Caitlyn versus Thresh Twitch. Caitlyn Karma. Honnêtement, bah, tout à l'heure on l'avait vu, hein, même s'il n'est pas forcément posé beaucoup de pièges, il l'a pris directement au counter de Twitch. Hein, les pièges vont peut-être faire un peu de différence face à un Twitch fufu, parce que si jamais il prend le piège quand il est fufu, bah il a l'air d'un con. Je comprends. Parce qu'il va se prendre des dégâts en plus dans la tronche. Effectivement. Donc, mais du coup, je pense plus Caitlyn Karma, parce que Twitch, bon, il faudra qu'il s'abat au TRK, il faudra qu'il soit ruinant pour être vraiment efficace. Bon, après l'ulti, ça va défoncer tout, hein, du côté de Twitch. Mm-hmm. Mais pour l'early, Caitlyn Karma, pour le late, bon, Thresh, c'est de moins en moins, on va dire, viable entre guillemets, quoi, parce que tout dépendra du skill du bonhomme. Hein. Le fly, le hook, ça dépendra vraiment du skill de Arthur 55000. Hein. Verdun, on te salue. Effectivement. La meuse est là. Et le chat, Arthur visiblement, soutient Tonio. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir, évidemment. Bon, du coup, alors si je résume un peu. Allez, si je résume un peu. Côté jungle. Oui, côté jungle. Bah, côté jungle. Le retour de ce Olaf qui était plutôt efficace, hein, dans, ouais, cette, après, dans cette première game. Poste 6, courir, coucou, je te fonce dans le tas. Hein. Effectivement, en face, un Lee Sin qui est un peu dans le même délire du coucou, je me TP sur toi à coup de coup de pied. Lee Sin en late game, bon, à part te faire peut-être coucou, je dash sword, comment ça s'appelle ça? Comment ça va le voir ce Je ne sais plus le dashboard. À part faire des insec à la fin, poste 6, coucou, j'envoie la décari ou un squishy dans la backlane de mes alliés, ouais. Par contre, early, ouais, plus Lee Sin que Olaf, quoi. Après, ça dépend comment ils vont jouer. Est-ce qu'il y a peut-être invade, qui va peut-être invade tout seul au niveau des buffs de l'ennemi, hein, on va savoir, peut-être qu'il va pouvoir le harasser. Peut-être une belle surprise en perspective. C'est ça. Annie au pays des merveilles, comme c'est mignon. Alors attendez, je vous fais tout de suite la transition, bon, évidemment. Quand tu vois Saumon, hein, bon, une petite maîtrise sur Lee Sin, bon, tu dis c'est un petit peu son main. Hein, ça passe. Bah, Lord, petite maîtrise aussi sympathique sur Caitlyn, tout de c'est même. C'est ça. Hein. Voilà. Hein, on est sur du pas mal, effectivement. Pas mal du tout. Hein. Après, à voir ce qu'ils vont faire. Hein. Maintenant, bah, là, si tu tentes invade, je dirais plus du côté de l'équipe YL. En termes d'early pour invade, effectivement, largement leur lit. Hein, ah, ça nous montre les maîtrises. Hein. Ah, voilà, oui. Ah, on sait, là, les joueurs savent que c'est spec, ils se font plaisir. Hein. Ah, il y a une petite maîtrise qui est popée comme ça. Allez, c'est parti. Avec, du coup, l'équipe rouge qui reste encore une fois très soudée. Exactement. Ils partent tous ensemble. Puis nous, il y a une petite démarche comme ça en mode coucou, c'est moi, je suis un peu bourré, mais. Trèche qui vole. Bon, on a quand même décidé de garder ce Malphite au final. Ça. Ça va se passer. Ah, par contre, ce qu'ils nous ont proposé d'équipe rouge, là, c'est peut-être une invade. Hein. Là, ils sont bien groupés. Côté équipe bleue, ils étaient plutôt. Bon, Brand au mid, sous sa tourelle. Le reste au niveau du. Peut-être qu'ils veulent trap. Bah, par contre, là, ils sont en infériorité numérique avec les bleus. Hein. C'est le trap. Ah, Luke qui passe pas. Par contre, les H qui touchent, ouais, bon, là, c'est deny. Hein. C'est deny, ils peuvent pas aller plus loin. Brand qui vit toujours sa tourelle. Hein. Lui, il est. Bon, moi, je suis posé dans ma tourelle. M'en fous. Voilà, je m'en fous. De toute façon, il sert à rien au niveau 1, clairement, à part mettre un Z. Bon, voilà, Warwick, hein, voilà, c'est une ward. C'est ça. Voilà, c'est. C'est bon, la tourelle est toujours là. Ok, bah on revient de voir dans 5 minutes. C'est ça. C'est bon, la tourelle est toujours là. Donc là, bon, bah, Lee Sin qui va commencer par son raid, hein, qui pop sa petite maîtrise. Hein, ouais, là, bon, on a compris. Voilà. Nous avons un OTP parmi nous, nous avons compris. Ah, peut-être pas OTP, hein. La preuve, il a pas fait OTP parce que du coup, c'était banni. Effectivement. Peut-être un OTP grâce. Tout à l'heure, j'ai regardé un peu leur game, ils jouaient encore une fois Garagas et du coup, ça a été pas mal. Hein. Mais là, Lee Sin, ça lui a apporté une grosse mobilité. Hein. Voilà. Alors du coup, là, si l'équipe bleue gagne, ouais. Eh bien ils ont gagné la finale. Ils ont gagné 2-0, ouais, puisque c'est en BO3. Exactement. Voilà, exactement. Voilà. Ils ont gagné les League Championship Series de Verdun 2017. Les 2017, n'est-ce pas, right? LCS, c'est quoi? Championship. League Championship Series. Ouais. Voilà. De Verdun, donc tout à fait. Les VLCS. VLCS, Verdun League Championship? Attends.
Ouais, Verdun VLCS, League Championship Series. Ouais, les VLCS, évidemment. Voilà, les VLCS, absolument. Donc, alors là, Warwick top. Alors, attends, les VJP LCS. Verdun Joystick Players. Ça fait bizarre, quoi. Warwick qui est. Bon, qui prend un peu cher, quand même, mine de rien. Bon, Warwick top, ça m'a pas l'air. Graou, va chercher. C'est ça. Là, Malphite, il lui envoie des pierres, il fait va chercher Warwick. Ouais, va chercher. Ça, c'est va chercher le bâton. D'ailleurs, il a une émote comme ça, je crois, il me semble, Warwick, où il tourne un peu sur lui-même. Ouais, il tourne sur lui-même, en fait, comment. Bah, c'est sur le bac, il me semble, hein. Oui, il prend derrière sa queue. Comme un chien fou. Voilà, bon bah voilà, les développeurs de Riot ont de l'humour. Ah bah c'est ça. Hein. Ouh. Oh là je vois. Eh, non mais attends, il a loupé son grab là. T'aurais dû lancer un grab là. Il y a Karma qui est complètement exposé, il aurait lancé un grab. Derrière t'as vu, tu aurais DPS Karma. Là il y a une occasion qui s'est manquée là pour le coup de faire l'équipe rouge. Mais après, comme ils ont perdu une partie, peut-être qu'ils veulent jouer safe. Ce qui est compréhensible, hein. Vraiment. Effectivement. Laisser du farm à Twitch, histoire d'avoir justement pour faire son itemisation. Ah bah dans le chat on nous dit Tonio c'est le plus fort. Okay. Allez Tonio, visiblement on a un fan. On a un fan de Tonio. Alors voilà. Tonio joue qui? Qu'on sache. Qu'on sache qui encourager en toute objectivité. Alors, évidemment. Zed Kassim. Ouais c'est ça. Qui est Tonio? Tony démonté. Bah voilà. Vas-y Tonio. Ah bah il est carrément tout à okay. fait. Mais il n'y a pas de joueur qui s'appelle Tonio, attends, je ne crois Tonio. Pas, non. Effectivement, il n'y en a pas. Bon, allez, on va expliquer un peu quand même ce qui se passe dans cette game. Par exemple, il y a cette Annie qui est ping et celui-ci qui se rapproche avec ce Brand qui va peut-être tenter l'agression. Dommage, la colonne de feu est ratée, mais on met quelques dégâts. C'est midlife. L'onde se rater là. Bon, je pense pas que ce soit un topé ici, non. Non, mais visiblement. Je pense qu'il a voulu trop RP le personnage et que lui-même a fermé les yeux. C'est ça, ouais. À ce niveau-là, ça doit être possible. La botlane qui se allez, on met quelques dégâts via le trap sur cette botlane qui est déjà mid. Life, quelques aïe. Petits dégâts de cette Karma ça qui, poque. Ayant pris prise de la reine du givre, bah, va évidemment chercher à poker. À poker, elle a complètement raison. Hein. Montre à Q-spell, bah voilà, ça fait des dégâts de zone. Montre à court, auto-attaque, il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. Hein. Là, clairement. Oh, attention, Karma voilà, qui, cependant, est quand même dans la tourmente. Karma, voilà. Bah, on a mis voilà. les 6 stacks de poison, ça ne suffira pas à la tuer. L'huile qui a été claquée hein, de la porte de Twitch pour sauver son enlever. Support. Effectivement, okay. Bah voilà, prenez-en de la graine des ADC. C'est ça, bah oui, c'est là, message d'un support. Vraiment play, quoi. Là, la Karma, depuis tout à l'heure, elle se place vraiment. Regarde ce petit sneaky jungler. Oh, attention, on utilise. Double agression là, et à mon avis le trèche va tomber. Double kill pris par cette botlane et cette équipe bleue. Belle action du Lee Sin. Attention à cette Annie qui pourrait également prendre quelques petits dégâts. Il est par la lane, hein. Ça c'est vraiment il a fait une bonne OP. Hein. Alors moi j'ai vu un message dans le chat là. YL a dit je dois. Enfin, j'ai un rendez-vous dans 20 minutes. Alors est-ce qu'ils vont essayer de la finir en 20 minutes cette game? Il faut se dépêcher. Ça dépend des joueurs, hein, ça dépend des joueurs. 20 minutes. En tout cas, là, on est parti sur de l'agression. 2 alors, à 0. Ça poke toujours autant du côté 1K de... gold d'écart déjà. C'est plutôt voilà. pas mal. Olaf qui tient la botlane, donc ça veut dire qu'il est complètement absent de la jungle. Donc, est-ce que Lee Sin pourrait peut-être tenter une petite invade du raid quand il réapparaîtra? On va savoir. Peut-être. Hein. Parce que Olaf, il reste très 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 longtemps. Hein. Bon, ne serait-ce que pour XP, c'est toujours plus alors, toujours par très intéressant. Alors, pas ce Lee Sin. Est-ce qu'il va faire les golems? Ouais, il va faire les golems. Le bot, effectivement. Il va faire son chemin. Bon. On voit un peu ce dragon du côté du Olaf. C'est un dragon voilà. de l'eau, ça peut être intéressant. Ça va apporter quelques petites choses sympathiques. C'est ça, un petit dragon de régène, ça pourrait être très très intéressant. Effectivement, pour tempo un peu, voilà. hors fight. Voilà. Sur quoi il va partir le Warwick, ça c'est. Je m'interroge là-dessus. Quoi. Donc il est parti sur Anodoran, donc AP quoi. Ça me surprend un peu, mais pourquoi pas, écoute. Ouais, bah, par contre, ouais, le Malphite il se fait vraiment out farm. Hein. Même la game d'avant, il a 18 contre 41 de farm pour le Warwick. C'est assez affolant. Effectivement, peut-être bosser. Hein, ouais, au niveau du farm, ouais, Malphite, faudrait, quoi. Voilà, entraîne-toi. Parce que même une fois qu'il a la cape solaire, s'il n'arrive pas à farmer, c'est que là il y a un problème. Hein, parce que la cape solaire, justement, c'est pour t'aider à farmer. Moi qui pensais que c'était pour t'aider à prendre des kills. Bon, pas forcément, ça te protège et c'est plus pour farmer, je pense. Hein. Oui, évidemment. Bon, Twitch qui met un peu de décalage, mais là. Voilà. Est-ce que pour l'instant, le poison est-il vraiment très impactant? Tant que le E est pas très très maxé, ça. Vu comme ils ont pris une dérouillée de la part du gang du Isin, peut-être là potentiellement celle de Annie. Enfin non, Annie c'est leur équipe, je suis désolé. Effectivement, mais Annie qui descend, effectivement, on passe devant le dragon. Alors est-ce qu'on va se faire spec par cette ward? Eh bien oui. Je crois qu'elle est dans la range voilà. de la ward, elle a été vue. Oh, le grab qui est malheureusement raté, le flash qui burst, qui va servir à tuer cette Caitlyn. On continue, mais Karma qui met son ulti E pour fuir. Ça n'aura pas suffi.
ça ne pourra pas visite, la tuer. Du Google Enemy, hein, voilà, hein. Attention, le Olaf. Là, est-ce que c'est le temps de faire un dragon là, hein. Honnêtement, c'est vraiment le temps. À part peut-être qu'ils ont peur du Hissine qui Hissine n'est pas très très loin, hein. Ouais, ça peut donner quelque chose. S'il a le réflexe, bon, la Brand qui est complètement exposée sous toile. Donc, bon, et là, après, il faut qu'il ait l'info. Et je n'ai pas cru. Je crois que je n'ai pas vu de ward bleu au niveau de ce dragon. Qui c'est semble être d'ailleurs en train d'être fait si la caméra automatique voulait bien s'y diriger, ce serait gentil. À moins qu'il se passe quelque chose top. Non, bah là, bon. Il faut le Drake tranquillement, lui, il est complètement aveugle. Voilà, le Drake. Voilà, voilà. Bon, le Drake d'océan, donc la régène qui va peut-être aider Malphite justement à pouvoir tenir un peu plus. Sûrement. Voilà, mais bon, il essaye. Allez, va chercher Warwick, va chercher, attrape le frisbee. Il a vraiment peur du Warwick, hein. C'est vrai. Ouais, peut-être après. Ah, attention à ce Twitch le sneaky, le stun qui. Par contre, le crash n'était pas nécessaire. Le Twitch était pas loin. Ouais, mais le flash préventif, mais ouais. Bon, il y avait un stun, mais. Je sais pas, il y avait des personnes avec quoi. Un bon burst quand même, ouais. Hein, et Twitch Annie, ça aurait pu donner des choses. Après, ils avaient pas plus de contrôle à part Annie, quoi. Donc à ce moment, il y a ce qui est pas vraiment grand chose, à part si Olaf voulait tanker la tourelle, ce qui aurait pu être faisable. Hein. Effectivement. Donc là, Twitch face à Brand, hein, on a eu un swap de lane, finalement. Donc là, Caitlyn qui continue retour sa percée sur la botlane. Va chercher. Mais par contre, ouais, Twitch là-bas, quoi. Chaque fois, je vais dire va chercher. Hein. Quand je voulais voir ça, va chercher la roue. Ça me fait rire. Va chercher ou attrape le frisbee parce que c'est vrai que ça ressemble un peu à un frisbee. C'est ça. Oh, et on y va, on y attend pas. Warwick, quoi, et tourelle. C'est un kill récupéré 3-1, mais la tourelle. Une demi-seconde. Hein. Ah, là, il a voulu grid d'XP, il a voulu grid le farm qu'il a pas forcément. Du coup, il est complètement en manque de gold. Hein. Un demi-mètre, un demi. On a 2k gold d'avance pour l'équipe. Oh, attention, Karma qui va tenter, le coup spell mantra. Il reste rien, hautement. Non, ça va. Voilà, allez, on gratte un peu toutes les tourelles. Petite auto-attaque de Brand, hein, ça ne fait pas de mine, mais bon. La bonne colonne de flamme qui, visiblement, n'est pas le sort maxé. Voilà. Quoi que si, en fait, il a 3 stacks sur Kedin. Oh là 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 là, les bons dégâts qui sont mis sur ce trash qui va peut-être décéder la lanterne qui lui a sauvé la vie, je crois. Ouais. Hein, là, vraiment. Un utile Kedin, ça aurait été pas de mal, mais bon, Twitch aurait absorbé. Oui, mais d'un autre côté, est-ce qu'il aurait pris le risque d'absorber s'il était dans un mantra A de Karma? Ouais, je pense quand même. Je pense quand même, il risquait pas grand chose non plus. Après, mais derrière le burst, il aurait pu se prendre poke par Karma. Ouais, je pense qu'il l'aurait tenté aussi. Ah bah, Karma, c'est un pic qui est tellement polyvalent. Par contre, cette tourelle est midlife, hein. Donc se méfier. Ça creuse petit à petit, ça creuse. Hein. Bon, que Brand, il s'agit toujours sur la tourelle du mid. Hein. Ça va chercher. Problème. En botlane, ça tente à faire une action. Là, Olaf, il est très 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 proche de la botlane. Voilà, ça se rapproche avec Annie. Je vais retirer ma bouteille d'eau de devant la minimap, ça m'aidera à la voir. Ce sera plus simple. Ce stream est sponsorisé par Crystalline, merci. Exactement. Du coup, ça continue. Top lane, pas grand chose d'intéressant pour l'instant. On a deux corps à corps. Bon, Malphite, il faut juste qu'il fasse vraiment attention. Il faut qu'il maîtrise un peu plus sa lane que ça parce que là, vraiment, il se fait haute forme de folie. C'est le grab qui ne passera pas, malheureusement. Le petit hook là, il est pas tout passé. Par contre, Kane qui s'amuse vraiment bien à poker. Allez, Warwick qui va tenter un petit peu de chasser ce caillou. On reste sous sa tourelle du côté de Malphite. Côté bot lane, on est rejoint par celui-ci. Multi qui est utilisé. Attention, c'est parti. Thresh qui prend d'énormes dégâts. Le kill ne suffira pas. Le Q-spell de cette Caitlyn, attention, ici qui en veut encore. Mais il n'y a pas de creep et cette tourelle tape, il faut se méfier. Warwick il est vraiment très vénère là. Attention à cette tourelle. Fallait auto là, Malphite. Les bavales de tourelle, elles font un peu bobo. C'est ça, pas plus que décidément on en veut, mais c'est temporaire et c'est pas mal. Une erreur, l'ulti de la régène de l'ulti, est-ce que ça va suffire? Et ça suffit, voilà, il a bien joué là. Malphite qui a suffisamment de tempo. Allez, face à Isin, bon, ouf. Très mobile, il n'y a pas de soucis. Là, ça n'aura pas peut-être un Warwick un peu trop greedy là sur ce coup. Ouais, il a vraiment trop cherché. C'est vrai qu'il avait l'avance, mais sous tourelle, la toile, plus elle tape, plus elle fait de dégâts. C'est croissant. Malphite, il a son ulti qui peut justement le knock-up. Et donc, au moins d'avoir un flash, bon, faut pas chercher en fait. Hein. Faut vraiment pas chercher à ce moment-là. Là, il rattrape son retard, le Malphite, mine de rien. Par contre, regarde, 3 minutes de game et presque 3 K gold en faveur des YL. C'est ça, les YL, voilà. Bon. Ouh, Olaf, attention. Olaf qui court. Olaf, parce qu'il peut finir avec Ragnarok. Une déchiqueteuse peut-être, non. L'ulti non. Pour se sauver. Twitch, Karma qui va mettre quelques dégâts. Attention, ouh, attention à la tourelle. Twitch, pourquoi? Ah, je pense qu'il a eu du lag là. Non. Twitch, tu étais le meilleur d'entre nous. Le petit rat est mort, le petit ratus est mort, franchement c'est un peu problématique. Mais là en fait je sais pas ce qu'il a fait passer, en fait il y a eu un moment d'inactivité. Twitch, tu étais le meilleur d'entre nous, pourquoi tant de haine? Non. Oh, le grab qui va passer là, c'est pas une occasion à manquer. Ah, dommage. Le E out de la box.
Oh l'ulti. Ah dommage, voilà. Il aurait fallu le mettre sur le Olaf. Mais est-ce que mais Karma va tenter un truc là? Elle allez, tenter, on utilise le mais... E, le Q-spell. Ah, non, ah non. Il aurait fallu utiliser le mantra peut-être. Mais le mantra elle l'avait pas, il était en cooldown. Donc. Mais alors le mantra, honnêtement, un petit stun ça serait passé. Voilà, juste ralentissement. Voilà. Ouais. Toujours à top lane. Hein. Ça stack la wave du côté de Warwick justement pour essayer de tenter de faire plus de dégâts sur la tourelle. Hein. Voilà, Malphite il est bon à moins de, de farmer à la roulette. C'est pas évident. Elle est vraiment très 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 derrière là. Il est vraiment tout seul sur sa lane le pauvre. Ouais, qui mettrait la pression. Mais va-t-il agresser ce tour? Non, non, ça t'a déjà coûté la première fois assez cher. Il compte trop sur sa régène. Il compte trop, beaucoup trop sur sa régène. Alors, que. Voilà, du bon, coup, le mid. Tempo. Hein. Une game en faveur des bleus donc. C'est plutôt bien pour eux, hein, forcément, on le rappelle, ils ont juste à gagner celle-ci, et puis voilà, c'est la, ouais, c'est la win totale, hein, évidemment. Total, hein. Oh, en termes de domination, oui, c'est, ça domine pas mal, en termes de kill, en termes de gold. Là, le chat me redemande de mettre des stuff. Est-ce que tu peux le débrancher, je crois, il faut le débrancher, débrancher quelque part, non? Ouais, je crois, j'en sais, au pire on l'arrache. Hein. Alors on a une action en botlane là, Olaf qui ulti. Ah oui effectivement, excusez-moi. La Caitlyn. Le doublé de The Lee Sin qui est récupéré, attention à ce Twitch qui prend d'énormes dégâts, il est très exposé. Et à mon avis il va tomber le CC. Oh, le CC de la Karma qui n'aura pas suffi, oui. Malheureusement. Et voilà, par contre Annie elle veut vraiment finir Karma. Mais ça, oula oula. Ouais non ça passera, ça passera pas, hein. Même le T-Burst t'embête pas, non. Il n'y a pas de... Plus de flash, donc du coup à ce moment. En fait, Annie est vraiment très très dépendant de son flash. Hein. C'est vraiment là qu'il doit vraiment tenter quelque chose du type T-Burst flash, voilà, plus stun derrière. Effectivement. Mais c'est juste dommage que ça va. Par contre, là, il part sur peut-être un JLP X-Tech, il me semble. Hein. Je pense que ça, c'est pour faire le Rod of Ages, donc le bâton séculaire, ou faire le lance-grenade. Alors là, ça pourrait être très très intéressant. Alors, plus de mobilité, ça pourrait compenser un peu son flash qui mettra 5 minutes toujours à revenir. Attention, voilà. On a pris quelques dégâts du côté de la Karma, mais Twitch ne donnera pas plus à mon avis. Se méfier quand même, ah dommage, le Q-spell qui est raté de la part du Brand, le E par contre qui lui fait un peu le... fait mal, hein, le E de Brand peut faire vraiment de dégâts. Et activer en termes de farm, les YL sont tellement devant. Quand tu vois, que Malphite est à 44 face à Warwick, ah, il a le triple, hein, Warwick là, clairement, ça fait très très mal. Il va partir sur Trinité d'ailleurs. Effectivement, oh oui. Bien ça, hein. Bonne idée. Bonne idée de faire Trinité, ouais, sur le nouveau. Bah, comme l'item l'indique, en anglais c'est shit ton of damage, quoi. Enfin, ton of damage, donc. Effectivement. Des tonnes de dégâts, hein. Les dégâts Bon, il va souffrir, hein. Il faut vraiment qu'il arrive vraiment à farmer. Hein. Effectivement. Alors, par contre, le dragon qui a été récupéré, deux dragons qui ont été récupérés, ah oui, par Bye Bye voilà. La Sustrace. Le dragon de dégâts plus le dragon de régène, voilà, bah, tranquille, hein, le mec. Va chercher. Toujours en retard, en termes de god. Je crois que la cam a compris que j'aimais bien. La cam automatique à chaque fois le met pour le va chercher puis elle repart après, tu vois. C'est ça. C'est elle ça. A bien compris que j'aimais et bien ce spell. Toujours pas de T1 prise. Hein. Toujours pas de T1 prise. Non, 15 minutes de game ou presque et toujours aucune tourelle. C'est vrai que c'est. Un gank de Karma sur la mid lane. Un gank de ward et c'est la ward qui tombe. Et voilà, plus 30 gold, magnifique. Incroyable. Un support c'est bien. Tu sens que c'est pas trop ingrat. Juste là pour nettoyer les wards et faire apporter un peu de contrôle, un peu de vision à ton équipe. Ouais. En tant que main support, tu vois, ça fait mal. Ouais, pareil. À une époque, c'était ça, hein. T'as acheté des wards, t'avais pas de support. Ouais, ouais, et puis tu te faisais engueuler par toute l'équipe si tu n'avais pas de ward. C'est évidemment. Ça, tu faisais que oh, ça. Oh, attention quoi. Twitch qui va se mettre fufu pour pouvoir échapper à ses agresseurs. Ah, le combo stun qui pourrait pas passer de toute façon. On agresse un peu là sur toutes les lanes. On en veut sur la bot lane, on en veut sur la mid lane, on en veut sur la top lane. La part de Caitlyn, donc du coup, là pour des push, ça va être vite fait. Je pense qu'honnêtement, ça pourrait être une bot lane. T'es un bot lane qui pourrait tomber de la part de Caitlyn. Honnêtement, avec le dépush qu'elle a, il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. Bon, j'ai l'impression qu'on est bien parti pour une game un peu longue là quand même. Ouais ouais. Un peu lente. Bah pff, après là en termes de farm oui bon mid lane avantage au rouge. Attention à ce Olaf avec la Kira Ragnarok. On va poursuivre cette pauvre Karma. Attention Lee Sin est derrière. On peut aider. Attention Lee Sin qui se retrouve entre 5 ennemis là à peu près avec T-Burst. Et c'est quand même un kill récupéré sur ce Olaf. Belle action de la part des YL et peut-être même ce Thresh qui va tomber. Ouais, et ouais. C'est récupéré par la Karma avec le Link qui va peut-être être mis. On a ce Brand qui est derrière, le heal qui est utilisé, mais l'ulti. Oh dommage. Dommage, attention, Lee Sin, c'est très très bien exécuté, ce Lee Sin, très très bien géré. 3 kills récupérés pour les YL qui creusent un peu plus l'écart gold à quasiment 6k maintenant. Il a manqué de respect là, Lee Sin, hein. Il a fait un dash ward AOE direct, boum, pied bouche.
Même pas de cosplay, là, hein, c'est... Là, je crois que Lee Sin s'est trompé de tournoi Street Fighter V, c'était plus tôt. Ah, c'est bon ça, quoi. Okay. Évidemment, et allez, ça y est, cette première tourelle enfin récupérée en bot lane. C'est également ça. La tourelle mid qui va tomber, ça y est, c'est récupéré. Est-ce que la tourelle top peut tomber? Je n'arrive pas à voir les PV. Bah, s'il fait grigner encore comme avant, il pourrait... Voilà. La tourelle a encore pas mal d'HP, à mon avis. Hein. Donc, ça ne va pas... Ça il va sait pas très bien que Malphite, là, maintenant, c'est une menace aux tourelles. Hein. Il a vécu ça une fois. Mais bon, Malphite n'a plus de mana, du coup, ultimate, il pourrait... Oh, attention, attention, on veut y aller. Il y a le Lee Sin qui est pas loin, et c'est récupéré. Et peut-être, donc, cette tourelle, il y a la vague de kill. Attention, Warwick. Zen, hein. Attention, Warwick, je sais que tu as du heal et un peu de vol de vie, mais doucement. Mais en fait, en termes de YL, j'ai l'impression qu'ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses. Hein, parce que tout à l'heure, quand il y a eu un gank justement en botlane, Karma, elle aurait très bien pu flash. Elle a pas effectivement flash. Pas du tout. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Allez, on va récupérer. Est-ce qu'on va avoir le temps de récupérer cette tourelle? Il y a un Olaf quand même. Il y a trop, il y a trop de crit. Et on Olaf pas loin, on Olaf pas loin, très 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 proche là le Olaf d'ailleurs. Hein. Pas le temps. Attention Warwick, les hachettes de Olaf ne sont pas des bâtons qu'il faut rattraper et qu'il faut renvoyer. Ça, hein, évidemment. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Et oui effectivement, dans le chat on remarque la différence de farm. Annie elle est partie tanky, elle est pas partie extec en fait, elle est partie séculaire quoi, carrément. Donc elle est mise à bout sur le lane. Bah oui mais elle n'a pas le stuff, elle n'a pas le skin extec, donc elle fait le stuff qui ne va pas qui va avec le skin quoi, ça paraît logique. Ouais, parfois, allez un ulti de Brand qui a quand même fait quelques dégâts mais qui ne suffira pas à prendre de kill. Et c'est cette Karma qui est tombée. Olaf qui rentre dans la mêlée, qui a sa attention critique. Olaf qui un en veut filet, le Ragnarok ouais, qui va-t-il suffire à-t-il faire des dégâts. Oh Malphite le flash in, c'est tempo, on sent pas les steaks de la Caitlyn maintenant, on va essayer de récupérer le Brand. C'est fait sur cette Caitlyn. Le jump de Warwick. Dommage. Flashin. Alors là, si j'y reviens, non, il y a un premier kill. Un premier kill, un deuxième kill. C'est arrêté, mais nous avons Lee Sin qui arrive. Attention à ce Brand qui pourrait faire quelques dégâts, cela dit. Ah, le T-Burst qui va lui cramer les fesses avec le... La passive qui peut peut-être servir à faire le kill, ça ne suffira pas en termes de dégâts. Et on va tomber. Le shield, mais c'est Malphite, ça tanque un peu. Et c'est récupéré par ce Malphite. Il a faim. Il était frustré là, il a eu faim. Il voulait réanimer un peu son KDA, hein, qui est maintenant à 2-2-3. Il a eu raison. Effectivement, c'est pas mal. Par contre, Karma, elle rigole pas là, elle fly, il faut le mana. Bon, et cette Annie qui est quand même en 4-0-2, hein. il faut s'en méfier de cette Annie. Elle va devenir un peu plus tanky, hein. Là en plus elle va partir sur Azonia. Donc elle, faudra se méfier. Hein. Et ce Thresh qui a quand même une utilité un peu limitée, hein. Il est en 0-5-3, c'est pas... Thresh est plus tank que Metaxa, hein. C'est pas vraiment tanky, ça offre du contrôle, mais assez limité. Non. Non franchement peut-être dû partir peut-être sur un Broom, peut-être un Malzahar. Ça aurait été Après en plus ils ont pas de kills en face, ils auraient dû forcer de faire une QSS. Non il offre pas tant que ça de contrôle et en termes de tokeness c'est pas encore ça. La box bon, en général les gens la flash. Caitlyn bah pour éviter la box elle a juste à faire un filet et elle se casse. Effectivement donc, oui. Donc là ça forme bien, hein. Le Renan s'aide beaucoup hein, sur Caitlyn, hein. C'est tellement mortel. Ah bah ça c'est vrai. Ah ça bouge du côté du héros de la faille. Et ben, tu vois, encore quelques secondes avant qu'il ne disparaisse. D'ailleurs, héros de la faille qui va bientôt être changé avec le mid saison. Ouais, t'as vu, ouais. Maintenant, c'est une sorte de bestiole bizarre. Alors, est-ce qu'il aura les mêmes effets ou est-ce que ça va être un rework total? Bah, à voir. À voir. En tout cas, ça a été récupéré et ça va être laissé au Warwick cette fois-ci. C'est ça. Bah, ils ont parfaitement raison, il va speed push. Hein, donc, bon. Ça va être tranquille. Voilà. Alors, du côté de l'équipe rouge, on essaie de focus sur le futur daron qui a popé dans 20 secondes. Le Nashor va popper lui dans 10 secondes. Effectivement. Est-ce qu'il y a un petit fight qui se prépare là? Parce qu'il cherche vraiment à arracher la vision. Oh là, le flash. Oh le flash in. Bah, flash aussi, voilà, qui va prendre. Annie, hein, voilà, bon. Qui va récupérer le Brand. La par contre, Karma. Ouais, la Karma qui a vraiment petite pomme de pain. Voilà, bah toi, il reste rien. Coucou, je pars. Concrètement. Par contre, Katine, ouais, qui cherche un peu là. Attention, mais quelques dégâts, cela dit. Peut-être un petit hook de la part de Thresh. Non, même pas. On s'en fout en fait. Mais qui fait quoi le flash? Ouais, alors attention, il y a ce dragon qui a été engagé. Ouais. Est-ce que YL va pouvoir le récupérer? Les bleus, ils sont obligés de l'avoir. Ils vont peut-être style, hein, ils sont obligés de l'avoir vraiment. Oh, c'est raté, malheureusement. Voilà, du coup, il cumule 2 Drake de feu. Donc, du coup, les dégâts sont améliorés. Ça commence à picoter. Voilà, à partir de 3, ça commence à chier. Hein. Attention, clairement, Warwick, à la tourelle. Ce Warwick qui a quand même pris des dégâts de tourelle. Ouais, il fait conséquent. Sa vie, hein. C'est, en plus de ça, il est le bout de la faille. Attention, tu fais mal, mais tu prends tellement cher. Ah ouais, mais en fait, il est trop greedy en fait. Il veut vraiment à trop rester. Mais moi, je trouve que c'est un homme généreux, tu vois. Il prend, mais il rend aussi. Fin... Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, ça compte pas pour les dégâts du les stats du Malphite. Hein. Non, effectivement. Voilà. Ouais, il est un peu taquin là, tu vois. Il cherche un peu là. Bon, il est en 1v2. Bon, voilà, tranquille, hein. C'est genre.
pas de soucis. Non, hein. Mais ça passe, ça passe. Ça passe tranquille. Un petit point sur les stuffs, qu'est-ce que tu en penses? Alors là, franchement, le Warwick, il est tellement. Il est démondement, quoi. C'est juste assez effrayant. 183 de farm. Hein, et puis en 4-2. Hein, il me semble qu'il était. Je crois que c'était gold de platine, lui. Je ne sais plus, écoute. Je n'ai pas retenu, je t'avoue que. Ouais, j'avoue que moi non plus. Hein, j'ai pas trop retenu. Hein. Bah, du coup, en plus, le Lee Sin qui est parti sur Malmortus pour la Annie. Hein, essentiellement pour Annie, pour le Malphite. Bon, le Malphite, il faut faire un petit burst en plus. Voilà. 7 kgold de différence, je viens de remarquer. Essentiellement le Malphite. Oh, Luthi qui est mis directement. Et le Lee Sin qui va se soloter. C'est récupéré, ce trash. Attention, Malphite qui a pris quelques dégâts. On a le Lee Sin qui arrive en backup derrière le Malphite qui va tomber. Doublé du Lee Sin. Annie qui va-t-elle être récupérée par le Warwick? On reste sous tourelle. Attention, Warwick, hein, les tourelles et toi, c'est une longue histoire d'amour. Olaf qui va tomber, évidemment. Le Twitch qui va également tomber. Et c'est un ace, sauf cette Annie qui est en train de back mais qui ne pourra pas défendre cette tourelle qui, à mon avis, va être récupérée. Bah, elle pourrait très bien, honnêtement, Annie, voilà. Ouais, mais le temps qu'elle revienne. Parce que là, en fait, elle aurait pu faire un ulti, mais bon, le problème, c'est qu'elle a pas son flash. Elle n'a pas non plus lance-grenade avec Steak. Mais elle a son petit Zonia, son petit Séculeur qui s'avoue. Ça aurait pu donner quelque chose. En tout cas, la T2 est récupérée. Il reste donc plus que la T2 bot et toutes les T2 seront tombées, évidemment. La jungle topside qui est largement. Elle est complètement dominée. Hein. Ouverte, dominée, voilà. La jungle bot side qui est pas trop mal non plus, hein, puisque les T2 mid voilà, étant les T2 sont pushés. Hein. Là, à ce moment-là, pour l'équipe bleue, ça sera intéressant de faire un Asher, mais le problème, c'est que toute l'équipe en face est encore en vie. Et on nous dit que le Warwick est plat 4. D'accord, donc le Warwick est plat 4, ouais, donc voilà, bon, ça justifie la différence de niveau parce qu'il me semble que le Malphite est en provisoire, je crois. Je suis pas sûr, hein. Donc du coup, il a pas forcément fini ses classements. Peut-être, effectivement. La différence de ce niveau se ressent en termes de farm, en termes de. Bon, en termes de grid, hein, forcément, plus tu montes, bah, plus t'as envie de grid. Hein. Tu connais un peu tes forces et tes faiblesses. C'est vrai. C'est vrai, mais d'ailleurs, le grid est un vilain défaut. Ah bah ça marche ou ça passe pas. Hein. Effectivement. C'est tout ou rien, hein. C'est all-in. Hein. Mais bon, là, le Warwick, il est très confiant, il a raison. Hein. En termes de stuff, il est largement devant. Là, le Malphite n'a toujours pas fini son grand figure. Bonjour, bonjour Olaf. La pomme de pain, Warwick. Bon, voilà, je suis pas totalement convaincu qu'il ait la vision et le flash out ne suffira pas, à mon avis, pour s'en sortir. Attention, la déchiqueteuse est très présente et. Il n'est pas terminé, attention. Bon, il est entre deux tourelles. C'est pas possible. Il est entre deux tourelles. Oh, il a smite. L'irrespect est total. Pas de manœuvre. L'irrespect est total. Ah, bah là, clairement. Hein. Alors, est-ce que ça va finir? Est-ce que ça va être récupéré? Est-ce que ce Thresh, attention ce Thresh qui a pris quelques dégâts. Ouais, Thresh, franchement, il sert pas à grand-chose malheureusement. Bon, par contre, son passage de la montagne qui pourrait offrir un shield supplémentaire, mais c'est pas dingue non plus. Je tiens à signaler quand même aux joueurs que prendre Karma du Blizzard, enfin Karma des neiges et Brand froid, je suis perdu entre le Cullen de flamme et le Cuspel. Ils auraient eu Lulu par exemple au top lane, là t'aurais eu Lulu merveille hivernale. Ah ouais, non, là j'aurais été. Là j'aurais été perdu. Boots ou je sais pas trop. Bon, cette déchiqueteuse qui est ratée, malheureusement. Bon, ça changera pas grand chose. Là, pour l'instant, ça va stagner un peu. Hein. Faut vraiment qu'il essaie de se concentrer sur le Nashor. Bon, bah écoute, moi je pense que je vais me rendormir un peu. Ouais. Tu me réveilles quand ils font un Nashor? Bah là, on a près de 10 kgold d'avance. Hein. On a 9 kgold. Hein. On est un peu dans le syndrome Nord-Amérique. On attend le Nashor pour sécuriser une game. Alors que. Par contre, là, on a l'FK. Attention, là, tu vas prendre quelques dégâts. Tu vas mourir. Le Fibouche est passé. C'est fini. En plus, ça, Lee Sin, il a un GA, bon, serein. Les Zinkers, on est ward tranquille. Tranquille. Ah, on est ward tranquillou, là, c'est. Là, ça déroule un peu, hein. Il y a Annie qui sauve quand même la game. Attention, hein, on va mettre un ulti. Oh, l'ulti. Voilà, l'ulti d'Annie. Sur hein. La Karma, qui va du coup la terminer. DPS, attention, Caitlyn, faut vraiment achever, là, les bons dégâts de cette Caitlyn. Les très très bons dégâts de cette Caitlyn. Attention, cependant, à ne pas prendre trop de dégâts. Bon. Le Warwick qui va, l'ulti qui finira. L'hydro-titanesque qui fait tellement de dégâts de zone. Là, ça fait très très mal. Attention, le Lee Sin qui va, le Lee Sin qui n'a pas peur. Bon, il a raison, hein, j'ai envie de te dire, il a beaucoup d'escape, il a encore beaucoup d'énergie. C'est vrai. Non, franchement, il est sans rien. En plus, il est un GA. Donc... Toujours 10 kgold d'avance. Il a son flash en plus. Dragon qui arrive dans une minute, peut-être le prochain point qui va peut-être nous apporter un peu de contest, un peu de teamfight. Peut-être. Bah, honnêtement, le Nashor, ils ont dû faire depuis très 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 longtemps. Là. Clairement, c'était un pari à faire. Honnêtement, moi j'aurais fait hein. Nashor. Peut-être essayer de récupérer la T2 aussi là. Et là, on est à plus de 10 kgold d'avance. Ils ont clairement l'ascension. Enfin, l'ascendance. Comment tu dis, enfin, l'avantage quoi, tu vois. C'est ces mots français, la bizarroïde là. Ouais, le français. Ils ont le pouvoir pour vous dire quoi. Oh, le français, bah. On a un français, rien. Cher français, compatriote, compatriote. Voilà.
Alors attention à ce Warwick qui repérait. Qui Olaf il s'est fait dire aussi. Hein. Bon, là Olaf, normalement, il doit servir. Olaf qui est lock, évidemment, pas la karma. Pour le petit Olaf. Hein. Voilà, on est des bons, on est copains. Ouais, en fait, ouais, ça va clairement se jouer sur le Drake. Hein. Ça va se jouer sur ce Drake, peut-être. Il va en avoir un quand même. Le Drake, s'il est en faveur des bleus, enchaîné sur la T2. Regarde, on a une rotation de creep qui pourrait être favorable. Ça slow push top pour les bleus. Pour le bot, bah, pour le bot ça va plutôt slow push pour les rouges. Mais bon, après, il faut vraiment qu'il sécurise des objectifs. Là. Clairement, là, ça stagne un peu. Mais en fait, il se focus trop sur le Drake. Je sais pas pourquoi il se focus sur le Drake. Peut-être pour enfin s'assurer le premier Drake du côté de ce Olaf qui est tombé directement. L'ulti du Brand qui met quelques dégâts. Attention, Lee Sin qui va sûrement se finir cette Annie. Ouais. Oh, le Warwick qui va continuer à compléter les dégâts. Attention, Twitch qui prend énormément de dégâts. Ça ne servira à pas grand chose. Le Thresh qui va servir de punching ball humain. Enfin, humain. Façon de parler, Malphite qui va tomber, je pense, très rapidement. Voilà, c'est récupéré. Il ne reste que deux survivants qui sont très lourds. Hein. Là, bah, Free Drake de feu en plus. Hein, effectivement, c'est, je pense que c'est pour ça qu'il voulait vraiment absolument ce Drake. Et là, ils auraient pu faire un turn sur. Allez, est-ce qu'on va tenter la T2? Eh ben non, visiblement, on ping le Nash. Caitlyn, bouge tes. Bah, en fait, c'est un choix à faire. Hein. Clément, bah, ils ont pris le Drake parce que c'était plus proche. Hein. Honnêtement, ils ont été au. Allez, Caitlyn, bouge tes fesses, on va faire un Nash. Ok. Ils ont pris le Nashor, quoi. Allez, j'arrive. Et voilà. Là, c'est parti. Ça y va. Ça. Pour acheter un peu d'item, hein, parce que là, la canon ultra rapide plus l'IE plus le Renan. Donc, du coup, là, en termes de stuff, on est très très bien. Hein, face à un. Est-ce qu'on aurait quand même pas pu en profiter pour récupérer cette T2 bot? Je sais pas. Non, c'est pas essentiel en fait. Honnêtement, ils sont vraiment devant, ils ont 12k gold d'avance. Ils vont prendre leur temps. 12k. Ils vont prendre leur 12k, temps. Je viens de remarquer les 12k. Ah ouais, ils ont 5 tourelles, 12k d'avance. Bon, on se dirige du côté du Nashor. On va en tout cas sécuriser la vision. Ça. Bon, non, pour. Bah, si les rouges le font, bah les bleus vont contester, et bizarre ça. Hein, mais peut-être la toile du top. Pour attention, les Warwick qui prend quand même. Il va prendre quelques dégâts. Le stun qui va passer, attention. Voilà. Attention, on est à 3, on est à 3, 3 CC. 3 contre 1, et il est. Oh là, tellement. Attention, en plus, rédemption sur Warwick. Ah, dommage, il est sorti de la zone de rédemption. Ouais, dommage. Ah, dommage, c'est à mon avis ça qui va causer sa perte. Quoique le Olaf. La régène. Attention, le Thresh qui est tombé. On continue avec Caitlyn qui met d'énormes dégâts. Attention, Olaf, la karma qui va tomber. Mais le flash in, c'est pour l'instant du 2 pour 2. Et. Attention, mais d'énormes dégâts. Rien. Le Zonia, mais à mon avis, on sort le Zonia. Piège, et c'est fini, et le triplé. Attention à ce Twitch qui, cependant, peut faire quelques dégâts. Le Q-Spell qui va survivre. Oh oui, hein, bah l'IE, voilà, un breaker. Quadra. Quadra, hein. Ils sont mis à 4. Un petit patin, un petit stun là. Non, allez. Oui, ça passe. C'est un ace. Pas de panta pour aujourd'hui. Malheureusement, voilà, c'est un peu le souci qu'il y a dans cette game. Les teamfights apportent pas forcément grand chose, à part peut-être une petite avance gold sécurisée, mais pour l'instant. Voilà, ça peut apporter un objectif, hein. Concrètement, ils ont plus personne pour défendre. Le Thresh est revenu, regarde, le Olaf va revenir dans 5 secondes, je ne sais pas, le temps qu'ils arrivent. Ils auraient Caitlyn, honnêtement, là, ils pourraient largement push la tour. Oui, c'est dommage qu'elle soit tombée, mais quand même, elle a pris 4 kills à elle toute seule. Ah bah oui, hein, c'est quand même bien défendu, et les critiques ont été au rendez-vous. Ah là, c'était. Caitlyn nous vend tient ses promesses en tout cas. Ah bah ça c'est clair, bah tu vois le stuff qu'elle a, en plus de ça elle s'est fait un vol de la Banshee histoire d'empêcher un peu les CC, ce qui est toujours très intéressant. Après moi je serais peut-être parti plus sur QSS, mais après c'est intelligent aussi parce qu'il y a quand même des dégâts un peu en face. Bon, il y a Annie juste Annie Malphite. Bon après Malphite pour l'instant c'est pas. Bonjour Olaf, je suis Lee Sin, allez, pied bouche. Voilà, ça s'arrêtera là. Oh, ça s'arrêtera là. Oui, il a un peu il y a le brand, c'est le stun qui passe et ouais, pas on continue avec le Q-spell qui a été appliqué, la passive de ce brand. On part vraiment du côté des clés rouges, c'est vraiment Annie qui tient le. Qui tient c'est pingé. Hein. Alors Hélène, pourquoi engager un baron quand on n'a pas son DPS principal qui reste Caitlyn, quoi que. Elle va arriver. Attends, je pense qu'elle va récupérer la caca au passage. Attention, par contre là, faut qu'il récupère Caitlyn. Attention sur Olaf. Oh, Caitlyn qui est peut-être finalement bien placé. Adieu Olaf, tu vas te faire lock. Adieu. Annie derrière, bon bah. Belle ulti cependant, T-Burst qui va peut-être. Oh, T-Burst qui prend également d'énormes dégâts. Lee Sin qui s'occupe de ses trois adversaires en attendant. C'est récupéré, ça passe tranquillement. Ah, Malphite qui se fait chasser, hein. Là, adieu, Caillou. Ça va passer. Bon, bah, il a essayé d'escape. Ouh, la lanterne. qui a fait quelques petites choses amusantes ici. Attention, la passive qui met d'énormes dégâts. Heureusement qu'il a pas un bâton du vide, hein, parce que là. Et c'est une T3 récupérée, un inhib récupéré. Ah bah ils sont là, ils sont. En fait, il y a un peu moins de cohésion du côté des équipes rouges, en fait, c'est un peu disparu. Effectivement. Alors on le rappelle, hein, si YL remporte cette game, c'est la finale. Hein. Et on pourra manger, c'est magnifique. Et on pourra manger, non, il faut faire la remise des prix avant. Ici, il s'est plaisir, il se bat, voilà. Ouais, non, mais là, alors on nous dit le style, effectivement. Le style, mec. Avec 15 milliards de points d'exclamation au minimum.
Alors attention, est-ce que cette T3, est-ce qu'on va essayer de faire le cette T3 sur le bille, regarde-moi ça comme c'est magnifique, putain. Vous faites bouger le trèche, franchement. Warwick qui est un peu... Mais par contre Warwick la régène, non mais... La régène quoi. Je n'en puis plus de ce Warwick. Une fois qu'il aura son visage pirate, ça va être... Bah il a son visage pirate. Une fois qu'il l'a... Là, attention Brand quand même, là qui a été très contrôle Brand, par un grab. De dégâts encore, hein. C'est... Le doublé, est-ce que là va tomber? Oui, c'est 2 kills également. Saumon Inner. 3 kills même, pardon, puisque le Twitch est tombé tout à l'heure. Enfin tout à l'heure. Il y a 10 secondes et demie, mais... C'est ça. Mais pour moi c'était déjà il y a un quart d'heure. C'est... Je suis déjà passé à autre chose là. Ah bah là, oui, oui. Ah là là. Ouh, ouh là, Niki en EV, c'est un kill récupéré par ce T-Burst. Karma qui était un peu en mode couche là. Oh, bah, elle aura jamais le Lissine. Ah, le stun qui passe. Ah, je pense toujours qu'il aura pas. Il a pas de ward 4 dans sa besace. Ah, ouais, il les troll. Oh, oh, oh. Est-ce qu'il va vraiment s'en sortir le grab? Oh, dommage. Alors, grab, qui bon. Passe. Bon, voilà, il faut qu'attendre que sa GA elle le fasse respawn. Bon, là, il est dans le gauche. Ah, une TP. Oh là, une TP de Warwick. Il s'en sort, hein. Oh, il s'en est sorti. Et il a le visage spirit. Là, il est... là, c'est un dieu. Là, c'est un deus. Là, c'est. Bon, il est Aston, mais bon, il va se régénérer. Hein. Voilà, t'as vu ça? Bon, bah. Ok. Spell, en une auto, c'est bon, je me suis régénéré. Hein. Pas de soucis, hein. Visage spirituel. Non, mais on a 15k hein. D'avance maintenant. Mais je t'avoue que Warwick, au début, top lane, c'était assez bizarre. Non, mais, non, mais dans cette game, Caitlyn, tu peux faire solo Nash. Caitlyn, fais le beau jeu. Solo Nash le. Bah, il a. Ouais, il a pas de régène en fait. Caitlyn n'a vraiment pas de régène pour le coup là. En plus, ça, je pense qu'il part son petite salutation de Dominique. Non, même. Si, si, salutation de Dominique, voilà. Bon, encore plus DPS, hein. Bon, bah, Thresh, il va s'en vouloir en fumer. Malphite, bon, on laisse tomber. Olaf, ouais, bon, Olaf, il est légèrement tanky, on va dire. Hein. Je pense que là, il prépare un round 1. Attention, Warwick, tu prends beaucoup de dégâts. Ouais, il a fallait qu'il tente. Oui, bon, il fallait qu'il tente. Flash out, pas passé. Attention, le grab qui est mis sur le Brand, qui va tomber, à mon avis. Le Zonia pour tempo. La Caitlyn qui est derrière, qui applique quelques dégâts. Le Olaf qui va peut-être tomber. Attention, avec ce Runan, on peut taper plusieurs en même temps. Qui a déjà pris 2 kills. Attention, Malphite qui va prendre sûrement le 3ème kill de cette Caitlyn. Annie qui va peut-être être le 4ème kill. On utilise le heal, évidemment, pour aller un peu plus vite. Le Zonia pour tempo. Attention à ce T-Burst qui fait quelques dégâts quand même. Et le Quadra qui est récupéré. La Caitlyn, ouais. Quadra, le Penta. Ah, la notion qui tombe trop tard. Je suis déçu. Ouais, c'est un peu. Et pourtant, le Thresh, il nous a fait un petit beau move. Il nous a fait vraiment un beau move avec son petit hook là. Bon, là. Quand même, cette Caitlyn est assez impressionnante. Hein. Elle montre que, voilà, elle toute seule, elle peut renverser un teamfight et que clairement. Les YL sont bien partis, mais allez, il faut la finir cette game, Bon. Caitlyn, elle a vraiment zéro régène, hein. C'est pur DPS quoi, c'est je compte sur les shields de karma, je compte sur la rédemption, enfin c'est... Là ouais, effectivement, vraiment, allez, est-ce DPS, qu'on fait ce Nashor, ce dragon je veux dire. Ce Drake de régène. Un petit Drake. Lucine est tranquillou. Voilà quand même. Il y a une bonne régène, écoute. Ouais, quand même, l'énergie tient bien là pour l'instant. Bah, toi t'as l'énergie, tient bien. Ouais, ça reste moins d'énergie, ouais, mais Warwick est pas troll. Ça va se faire tranquillou. Plus bon, Warwick arrive derrière. Bon, bah. Non, mais là, je pense que tu vois, genre, dans la première game, on était un peu plus dans l'action. Là, on est tellement dans le tranquillou. C'est le contrôle. Vraiment, là, c'est le contrôle de l'équipe YOLO. Et on nous dit, allez les verts. Bah écoutez, oui. On a un Daltonien, je pense. Bon, il doit dire gris, je sais pas. Elle est vert. Ou peut-être que quelqu'un vote déjà pour les présidentielles, mais il s'est trompé de jour. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais, bon, ils sont pas vraiment. Enfin, bon, ouais, politique. Ne parlons pas politique, parlons League of Legends. Et. Ça va. Oula, il y a quand même 3 wards du côté. Ils veulent sûr qu'ils soient wardés, celui-là. On veut la vision de jeu. Hein. Voilà. Ou aider Karma. Peut-être, c'est pas impossible. Profession, tu vois, des warders. Hein. C'est... Moi, dans la vie, j'aime aider le support adverse en mettant des wards partout. J'aime les wards. Ah ouais, là, ils voulaient vraiment. Ils ont... Ouais, c'est en fait, il y a un peu moins de cohésion du côté de l'équipe rouge, ça se fait ressentir. Bon, là, le Warwick, mépris total. Effectivement. Je l'avais call sur la dernière game, je le retente. Je dis encore un teamfight et c'est la game. Bah, là, c'est la game finale. Hein. Ah, là, je pense qu'on est dans les dernières actions. Warwick qui. S'en moque un peu de ce Twitch, est-ce que ce Twitch va quand même voir le problème c'est quoi, Twitch qui a quand même réussi à voir Warwick, mais derrière, et eh bien ça prend 3 kills, voilà, et attention, la rédemption qui va servir évidemment au heal, ça se dépasse, Caitlyn qui prend une tourelle, Caitlyn qui va prendre la deuxième tourelle, voilà, je pense pouvoir affirmer que c'est la game. Et oui. C'est la game, victoire. YF ah non, l'inhib est respawn. Ah, le troll. L'inhib qui est troll. Thresh qui est en mode. Bon, Caitlyn qui fait non. Thresh qui est un bon total. Non, je suis Caitlyn, calme-toi.
Bon, voilà, on peut dire cette fois-ci que c'est la game, il n'y a personne pour défendre. YL gagne donc le tournoi. League Championship de Verdun. Bravo, 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 bravo. Bravo aussi à l'équipe Bye Bye Las Flotas, hein, qui nous a quand même offert quelques moves qui étaient vraiment sympathiques. Hein, vraiment, le train de temps en temps, il a vraiment tenté des hooks qui étaient assez intéressants. Bravo. Très, bon. Très intéressant. Et bien bravo. Du coup, je pense que je vais inviter l'équipe gagnante à nous rejoindre sur scène, évidemment. Et voilà, alors, est-ce que tu veux voir quand même le graphique pour, ouais, vas-y, montre-moi. Hop, détail avancé, graphique. La skate. Comme j'avais dit, tu vois, c'est Annie qui maintenait. Et pourtant, elle est partie vraiment full DPS, zéro regen. C'est vraiment sur Karma qu'elle comptait. Hein. Oh là là, c'était magnifique. C'était effectivement. Bon, voilà, une bien belle game, une bien belle finale. Je ne suis pas déçu de cette finale. Ils n'ont pas démérité. Qui a été vraiment du beau jeu. Et je pense que les deux équipes étaient quand même d'un niveau assez équivalent. En fait, ce qui a beaucoup joué, c'est surtout la cohésion des deux équipes. Hein. Enfin, peut-être au niveau de l'équipe, peut-être qu'une équipe était vraiment soudée, cohérente. Je pense qu'on demandera un peu le temps de jeu. Enfin, depuis combien de temps les équipes jouent ensemble. Ouais. Peut-être cette cohésion d'équipe, voilà, qui n'était pas peut-être moins rodée d'un des deux côtés de la game. C'est ça. Alors du coup, avant de l'arrivée des équipes. Je vais juste vérifier un petit truc en régie. Je vais te laisser peut-être toi faire ton retour sur ces deux games, sur cette finale, et je reviens juste après. T'es un salaud toi. Tu vas voler comme ça là. Au revoir. Ciao. Bonjour. Oui, donc on a quand même eu un match assez serré en early, enfin serré. Oui, serré, à part la top lane qui a un peu s'est fait un peu outplay du côté de l'équipe des Bye Bye Las Frutas, notamment sur le farm du Malphite, qui s'est fait plutôt bien corrigé par le Warwick. Mais les YL ont quand même montré qu'ils étaient vraiment soudés sur les actions, notamment sur les gangs du Isin, qui a vraiment montré quelques plays. Hein. C'est vraiment l'ulti plus Q-spell, et d'ailleurs je te fais un petit pied-bouche pour te finir eux. C'était vraiment sympathique. Vraiment, toujours pareil, hein, toujours Game Breaker par rapport au jungler. Vraiment sans faille. Alors du coup, j'appelle sur scène l'équipe gagnante du tournoi, donc l'équipe YL. Alors du coup, hop, je passe un micro que vous ferez passer entre vous. Et bah déjà, du coup, bravo, belle victoire, belle finale, vraiment. Je pense qu'on peut les applaudir quand même, le public. Ah voilà, merci pour eux quand même. Et le coach aussi, bah, il peut même venir sur scène, hein, le coach. Bah oui, ah, les coachs, oh bah bravo, ah bah oui. Ah oui, équipe pro alors là, avec nous. Hein. Ah bah justement, on se demandait un peu, voilà, on a vu une bonne cohésion d'équipe, une très bonne même cohésion d'équipe. Du coup, ça fait à peu près combien de temps que vous jouez ensemble? Voilà, c'est la première fois que vous jouez ensemble? D'accord, super, donc ils se foutent de ma gueule, super. Bravo, non mais je vous crois en plus. Mais en tout cas, bah voilà, bah écoute, je pense que vous êtes trouvés en tout cas. Très bonne cohésion d'équipe. Quel est vous votre ressenti justement par rapport à cette finale et par rapport au tournoi en général? Bah moi je trouve que c'était vraiment une bonne expérience à vivre. Il y avait des gens qu'on connaissait pas, qu'on a fait la connaissance. On est tous autour d'un même jeu, on parle de la même chose, on sait tous de quoi on parle. Ça, c'est vraiment une bonne expérience à vivre, je pense, quelque chose à faire. Et alors, question, est-ce que vous êtes tous de Verdun ou vous venez d'un peu plus loin? De Nancy, moi. Ah, ça me fait plaisir, un compatriote nancéen, ouais. Et les autres, vous venez d'où un peu? Ok, d'accord, donc aux alentours de Verdun. Donc c'est toi, t'es un peu l'étranger, voilà, ok, je vois. Et ben voilà, bah du coup, bravo à vous. Peut-être, je sais pas si vous voulez dire un dernier mot. Voilà. Et ben on peut encore les applaudir, voilà, bravo à vous. Alors, on rappelle quand même qu'ils jouent depuis à peu près 10h du matin. Hein, le tournoi a commencé vers 10h-10h30. Ça fait, là il est quoi presque 11h. Voilà, vous êtes les premiers, voilà. Comme quoi, on l'avait senti. Et ben voilà, merci, bravo en tout cas. Et puis on va peut-être faire venir quand même la deuxième équipe pour avoir aussi leur ressenti. Alors du coup, l'équipe qui a terminé deuxième du tournoi, est-ce qu'elle est encore là? Eh ben oui, les voilà, je les vois arriver. Alors vas-y, attends, redis-le, tu le dis tellement mieux que moi.
les Bye Bye Las Frutas. Ah, les voilà, les voilà. Et ben on peut aussi les applaudir quand même. Ils ont quand même réussi à aller jusqu'en finale et c'est déjà pas mal du tout. Alors, ça fait combien de temps que vous jouez ensemble ? Bah là, on s'est rencontrés aujourd'hui, quoi. D'accord, ouais, bon, pareil. Ça fait des équipes un peu formées sur le tas, comme ça. Et depuis combien de temps vous jouez à LoL, à peu près ? Moi, ça fait 2 ans. 3-4 ans. Et les 2 ans aussi, ok. D'accord, 2 ans. Ok. Et alors, justement, bah, comment vous avez ressenti cette finale et le tournoi en général ? Bah, c'était bien, c'était une expérience. Puis on s'est bien amusé, même si on a fini 2e. Et les autres, pareil, voilà, l'amusement surtout, essentiellement. Bon, bah ça c'est le plus important, je pense. Vous êtes tous de Verdun ou il y en a qui viennent d'ailleurs ? Alors, moi je viens de Jarny. De Bar-le-Duc. Alsace. Ah, un Alsacien. Ah oui, hein, bah là on a même des plus en plus loin, effectivement. Et ben bah, voilà, et bah, écoutez, bravo quand même d'avoir été au moins jusqu'en finale. Les finales ont vraiment été très serrées. En tout cas, nous c'est notre ressenti en tant que caster. Et pour la première game, c'était vraiment au coude à coude. Donc voilà, vous nous avez offert du beau jeu et ça c'est le plus important. On peut encore les applaudir quand même, bravo à vous. Et bien du coup, je vais appeler tout le staff du Verdun Joystick Player à nous rejoindre sur scène. C'est le moment, allez, venez tous. Oui, tout le staff peut venir, toutes les associations, tous les intervenants. Venez, venez, on va prendre une photo tous ensemble avant de continuer le rangement. Ça va prendre 2 minutes pour vous remercier de tout ce que vous avez fait. Venez tous, ça prendra pas longtemps. Où est Nathalie ? La deuxième Nathalie, la petite Nathalie. C'est à toi qu'il faut remettre le micro ce soir. Non, 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 pas de micro. Vous êtes tous là ? Ouais, asseyez-vous les premiers, asseyez-vous. Bah ouais. Yeah. La photographe, on est prêt ? J'appuie sur le bouton. J'appuie autant de fois que je veux. Allez, 1, 2, 3. Allez, une deuxième. Allez, maintenant une un peu plus rigolote. 1, 2, 3. On recommence. Allez, 1, 2, 3. Merci à tous, merci à toutes. Et maintenant, il est l'heure de ranger. On se retrouve tous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Un petit mot, le CMJ, ou pas du tout ? Enfin, félicitations à tous. Merci à tous pour cet événement, c'était super. Merci à tous ceux qui sont restés. Et merci à Nathalie et à tout le monde. Bravo. Bravo, bravo. Ouais, mais là, je laissais les 30 secondes.